Jour de l'an 2000, pourquoi comment revient ce soir sur les grands mystères de notre temps? Quelle créature inconnue se cache au fond du Loch Ness et pourquoi n'a-t-on jamais pu découvrir son identité? Le Yeti, il peuplerait les régions les plus sauvages de notre planète. Certains affirment l'avoir rencontré, pourquoi comment vous présente leur pièce à conviction? Bruit inexpliqué, apparition étrange. Pourquoi certains lieux ont-ils la réputation d'être maléfiques? Comment leurs habitants vivent-ils les manifestations des puissances de l'au-delà? Nous vous ferons rencontrer les témoins de ces phénomènes qui font froid dans le dos ou qui déplacent les foules. Des cuillères que l'on tord à distance, des objets qui se déplacent par la simple force de l'esprit, comment expliquer ces pouvoirs extraordinaires? Ce soir, avec Pourquoi Comment, apprenez à vous méfier des faux médiums. Parfois, c'est à la nature elle-même que l'on prête des facultés paranormales. Le triangle des Bermudes en est la parfaite illustration. Des centaines de navires et d'avions y ont disparu sans laisser de traces. Pourquoi cette zone est-elle devenue un endroit maudit? Que risque-t-on à s'y aventurer? Les ovnis, ils sont plus de 100 000 témoins à les observer chaque année à travers le monde. Pourquoi certaines de ces apparitions restent-elles inexpliquées? Comment arrive-t-on à démasquer les supercheries? Pourquoi comment revient pour vous sur les documents les plus troublants de ces 50 dernières années? Bonsoir, bienvenue à tous pour une nouvelle édition de Pourquoi comment? Une émission pleine de mystères et d'inconnus comme vous allez le voir. Depuis toujours, l'humanité vit entourée de croyances et de mystères inexpliqués. Tous ces grands mythes universels ont la peau dure, mais ils ont aussi une explication. Pourquoi ont-ils pris naissance? Comment sont-ils arrivés jusqu'à nous? Autant de questions que nous allons aborder ce soir avec notre invité que je vous demande d'applaudir chaleureusement, Alain Chabat. Bonsoir. Bonsoir Alain. Merci, bonsoir. Alors une première question pour commencer. Vous êtes plutôt du genre crédule, superstitieux, rationnel? Oui, je suis crédule, je suis superstitieux, irrationnel. Tout à la fois. Je marche dans tous les trucs paranormaux, toutes les superstitions. Moi, je marche dans tout, donc ouais, je... Ah ben, l'émission va être parfaite pour vous. Elle est assez orientale. Taillée sur mesure. Oui. Ben, c'est très bien. Ouais. Alors, je vous présente notre bande de détectives expérimentés. Julie. Bonsoir. 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 Annabelle. Bonsoir. Bonsoir, Annabelle. Juan. Bonsoir. Emma. Alors, je vous propose de commencer eh bien, tout de suite par le mythe par excellence. Je veux parler du monstre du Loch Ness. J'y crois. Un lac noir, noyé dans la brume. Merci beaucoup, Alain. La brume écossaise, au milieu de landes mystérieuses. L'Écosse, vous diront les sceptiques, a tout pour entretenir la légende. Mais alors, que faire des milliers de témoignages qui, depuis 60 ans, font état de l'apparition d'une gigantesque créature? Le monstre du Loch Ness, vrai ou faux? Vrai. Réponse avec Ronan Autré. Le Loch Ness, 40 km de long, 1,5 km de large. Un gigantesque coup de couteau dans les hautes terres d'Écosse. On pourrait sans problème plonger la tour Eiffel au plus profond de ses eaux noires. Mais c'est un autre monument qui entraîne ses profondeurs. Dans des régions montagneuses, isolées, avec donc des lacs assez profonds, souvent sombres, vous avez des légendes qui se cristallisent sur ces lacs. Comme celle d'un formidable monstre lacustre. Il existe très probablement une forme animale inconnue dans ce loch. Cette forme animale inconnue, un certain Wilson la prend en photo pour la première fois en 1934. La créature ne ressemble à rien de connu. Le mythe est lancé. Cette photo a une influence gigantesque parce que les gens disent, vous voyez, il y a une preuve de l'existence d'une créature anomalique, d'une créature extraordinaire dans ce grand lac du comté d'Inverness. Surtout, cette créature d'aspect préhistorique correspond bien à l'ère du temps. Ce qui, à mon avis, est lié notamment à des films comme King Kong, puisque comme par hasard, King Kong passait dans les cinémas écossais à l'époque de cette histoire-là, en 1933. Et la créature correspond bien à cette espèce de diplodocus, on dit aujourd'hui un apatosaure de King Kong, c'est-à-dire une créature avec un très long cou, massive, qui effectivement peut faire peur.
Du jour au lendemain, on ne compte plus les apparitions du monstre du Loch Ness. Nessie devient même une vedette de cinéma, comme dans ce film tourné en 1936, 3 ans à peine après la naissance officielle du mythe. La star a ses groupies, on se précipite sur les bords du lac pour compter ses bosses. À partir du moment où l'affaire a été lancée dans la presse en 1933, vous avez eu un grand nombre de gens qui ont effectivement pensé voir quelque chose, qui ont eux-mêmes, par le système de la boule de neige, suscité de nouveaux témoins, et ceci a cru jusqu'à, effectivement, plusieurs centaines et même milliers de témoignages. Car les fans de Nessie se comptent désormais par millions. Aujourd'hui, on peut même guetter les apparitions du monstre sur Internet. Sur ce site, par exemple, 6 caméras filment en permanence la surface du loch. Un simple clic pour choisir la zone du lac que vous souhaitez surveiller. Il ne vous reste plus qu'à prendre votre mal en patience. Au moindre signe suspect, il vous est même possible de prendre une photo. Un cliché de Nessie peut vous faire entrer dans la légende. Comme cette photo, prise en juin dernier par un couple d'Américains à plus de 20 000 km de distance. À gauche, Nessie tel qu'il est apparu sur l'écran. À droite, un agrandissement du cliché. On n'y voit rien, et pourtant, cette photo a fait le tour du monde. Le succès de Nessie est tel que d'autres lacs se sont découverts leur monstre local. Voici Champ, qui hante les eaux du lac Champlain aux États-Unis. Cette photographie a été prise en 1977 et jamais personne n'a pu prouver qu'il s'agissait d'un faux. Reste que Nessie demeure la star incontestée de sa catégorie. Les scientifiques lui ont même donné un nom savant. Nessie terrace rhombopteryx, ce qui veut dire, traduit du latin de cuisine des scientifiques, le monstre Nessie aux ailes de diamant. Il a été nommé et aussitôt protégé. Et pendant un demi-siècle, de nombreux documents vont accréditer la thèse de l'existence de Nessie. Ce film, par exemple, tourné en 1960 par un ingénieur aéronautique, il a un retentissement phénoménal. Explication. On démontre effectivement que ce film, d'abord, n'est pas un faux. Et surtout, ces dernières années, à la suite d'études poussées grâce au système informatique, on a pu effectivement démontrer que sous le sillage qui est très apparent au niveau du film, on voit une masse sombre se déplacer. Voilà qui accréditerait la thèse qu'un animal de taille considérable vit dans le loch. Pas si simple. Si on estime que les monstres sont aussi très gros, il leur faut beaucoup de poissons. Et un calcul relativement simple montre que les poissons du Loch Ness, les saumons, les truites et les poissons apparentés devraient être vraiment très nombreux pour alimenter. Pour alimenter qui? Pour alimenter non pas un monstre, mais forcément plusieurs. Car la génétique a ses règles incontournables. En dessous d'une population totale comprise entre 50 et 100 individus, la survie de l'espèce est tout à fait impossible. Impossible peut-être, mais en 1972, une série de photographies sous-marines remet du baume au cœur des défenseurs du monstre lacustre. D'autant que cette fois, c'est le président de l'Académie des sciences américaines, le Dr. Rhines, entouré de toute une équipe de scientifiques réputés, qui est à l'origine de ces clichés. 25 ans après, il ne fait pour lui aucun doute que c'est bien Nessie qui l'a photographié ce jour-là. J'ai vu le dos d'un animal. C'était un peu comme le dos d'un éléphant. Il mesurait au moins 7 mètres et demi de long. Il y a eu de multiples hypothèses qui ont été émises au cours des décennies. On a même parlé de baleines, de requins, d'éléphants. Mais c'est une autre théorie qui va avoir les faveurs de la presse à cause de cette photographie. Cette fameuse photo d'une sorte de nageoire en forme de losange a fasciné une fois de plus les savants, d'autant plus que cette nageoire en forme de losange faisait penser à une nageoire de plésiosaure. Un plésiosaure, c'est-à-dire un dinosaure sous-marin. Une théorie certes séduisante, mais c'est oublié qu'à une certaine époque, les eaux du Loch Ness étaient gelées. À 4 reprises au moins, depuis 200 000 ans, il y a eu une calotte polaire, c'est-à-dire 2000 ou 3000 mètres de glace compacte. Analogue à ce qu'il y a au Groenland ou en Antarctique maintenant. Alors, où sont passés les monstres s'ils ont survécu? Ils n'ont pas pu survivre sous la glace, ça c'est sûr.
Et s'il en fallait plus pour vous convaincre, sachez que Rhines, dans sa volonté de bien faire, a donné un petit coup de pouce à ses pièces à conviction, jugées plus tôt. À gauche, le cliché original. À droite, la même photographie après quelques savantes manipulations informatiques. C'est évidemment ce second document qui a été rendu public. Vous avouerez que ce que l'on a présenté comme une nageoire de Nessie pourrait se révéler bien moins exotique. Dans ces lacs froids tombent des arbres, par le ravinement, emportés par les pluies. Ces arbres, au bout d'un certain temps, coulent, les troncs coulent. Et quand la décomposition a eu lieu, au bout de quelques années, des phénomènes chimiques assez compliqués font que la densité change et l'arbre, spontanément, remonte en surface. Le Nessie de Rhines ne serait-il qu'un tronc d'arbre flottant entre deux eaux? Cette explication en vaut une autre, mais décidément, l'hypothèse du monstre préhistorique ne tient pas. Et comme par hasard, à chaque fois que ce mythe s'essouffle, un nouveau document fait surface, comme ici en 1977. Ce coup de cygne ne vous rappelle rien? Vous avez deviné, il ressemble comme deux gouttes d'eau au monstre de 1934. Et encore une fois, cette photographie a l'air bien trop nette, pour être honnête. Démonstration par un spécialiste de l'image. Un des éléments qui me font dire que cette photo est truquée, c'est qu'on devine les vagues de la photo originale sous la tête et le cou du monstre. Pour Russell Angrisani, l'auteur de ce canular a tout simplement peint à la main la silhouette du monstre sur une photographie de la surface du lac. Je n'ai pas menti, je n'ai jamais menti de ma vie et mes photos sont authentiques. N'en déplaise à Doc Shields, il est aujourd'hui très facile de manipuler une image. L'informatique notamment fait des miracles, comme on le voit ici. Mais parfois, un peu d'astuce, de fil de fer et d'imagination suffisent à créer un Nessie tout à fait présentable. Et si le film est un peu flou, c'est encore mieux. Il ne vous reste plus qu'à le vendre très cher aux médias du monde entier. C'est précisément ce qui s'est passé avec la photo de Wilson, celle justement qui a fait de la légende de Nessie une réalité. Car en 1994, c'est le coup de grâce pour tous ceux qui ont cru au monstre du Loch Ness. Après 60 ans de silence, Wilson révèle sur son lit de mort que son document est un faux. La forme qu'il a immortalisée n'était en fait qu'un jouet de 60 cm de haut. D'ailleurs, la photographie complète, prise à l'époque, donne une impression très différente de la taille de l'objet. On comprend alors pourquoi ce document n'aura été présenté au public que dans sa version recadrée. Mais en 1933, personne ne s'est posé la question de l'authenticité du cliché. C'était l'époque de la crise de 29, donc les gens avaient besoin de dérivatifs. Aussi, il y avait un aspect économique parce que ça a permis de donner un peu d'argent à la région. Nessie, un piège à touristes? Que penser alors des milliers de témoins qui ont aperçu le monstre depuis plus d'un demi-siècle? Tous ne sont pas des menteurs, loin de là. Il y a effectivement une lumière particulière à certaines saisons. Il y a aussi des phénomènes de vagues qui peuvent survenir de façon un peu surprenante. Placé dans certaines circonstances, n'importe qui peut voir n'importe quoi et surtout des choses un peu extraordinaires, surtout quand il y a une croyance de groupe. Il y avait un tel désir de croire que finalement, on a voulu l'avoir, ce Nessie, et on l'a eu. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Si l'on peut dire. Alors Alain, vous y croyez ou pas? Moi, je pense qu'il s'agit d'un plésiosaure. D'une taille conséquente. Non, moi je crois au Loch Ness, bien sûr, et je pense qu'il se nourrit de micro-organismes dans la vase, qu'il a été congelé, des trucs glaciaires, voilà, bien sûr. Effectivement, et que donc, comme aujourd'hui, on sait que la cryogénisation, bon, c'est pas encore tout à fait au point, mais enfin, on peut arriver à décongeler un organisme en fait, vous voulez vivant. Y croire, quoi. Bien sûr que je veux y croire. Comme vous croyez au Père Noël. Pour moi, le Père Noël existe et je tiens à le rappeler encore une fois ici. C'est très important. Si on dit ça aux enfants, c'est très important. Mais justement, alors Marc, qui est un grand spécialiste des animaux, ne met pas tellement en doute l'existence du monstre du Loch Ness, mais en tout cas, Marc, vous nous dites qu'il y a certains mythes qui, en fait, un jour, se sont avérés réalité. C'est-à-dire que là, ce qu'on vient de voir, c'est d'authentiques canulars. Mais ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'il y a des canulars que tout est faux. Et notamment, pendant des siècles, les marins ont raconté des choses très étranges, notamment dans le folklore scandinave, qui racontait une bête-île monstrueuse qu'ils appelaient le Kraken, qui était absolument gigantesque. Et aujourd'hui, on l'a trouvé. La science nous disait, c'est absolument pas possible qu'un animal soit si gros. Mais en fait, c'est le calmar géant. Et on ne l'a pas cru pendant des années, sauf qu'il a eu une maladie, il y a eu des échouages en 1870, je crois. Et on en a vu.
Et non seulement on en a vu, mais on a trouvé des restes dans les cachalots de becs, parce qu'ils ont des becs comme des becs de perroquet, quelque chose de solide. Vous dites comme on ça, a vu, on a vu des calmars. Nous, les calmars, c'est en assiette dans la salade. Oui. Et ces calmars, ils écrasent la table. Ils sont énormes. On en a vu un de 17 mètres qui fait plusieurs tonnes. Et on pense qu'il y en a des encore plus grands parce qu'on a vu les traces de bataille sur les cachalots. Donc ça, ça existe. Et les serpents de mer, le fameux serpent alors, de mer. Si on étudie ça en zoologue, il y a plusieurs espèces. C'est ce que disait Yves Pacalet. Ce n'est pas un animal monstrueux qui se reproduit jamais, c'est des populations d'animaux. Et on en a trouvé, notamment le régalec, qu'on voit sur ces images, qui est un poisson qui peut dépasser 7 mètres. Et là, on ne le voit pas parce qu'il est en très mauvais état. C'est un poisson de profondeur qui se décompose quand il arrive à la surface. Enfin, il a une espèce même, de crête de dragon rouge. Donc quand ça surgit à la surface, on croit effectivement à quelque chose d'extraordinaire. Donc celui-là, on l'a trouvé. On découvre régulièrement des animaux nouveaux. Ce n'est pas extraordinaire. En 1976, on a découvert un requin énorme, qu'on va voir aussi sur les photos. Un requin des abysses qui a des dents lumineuses parce qu'il chasse dans l'obscurité. Des dents lumineuses. Oui, on n'imaginait même pas que ça puisse exister. Enfin, il a les gencives lumineuses, il doit avoir un sourire ravissant. Et ça l'aide à chasser ? Ah bah oui, puisque dans le noir, ça attire comme un peu les papillons sur la bougie. Ça doit être très joli. Ah oui, on a vu une colonie entière de méduses géantes il n'y a pas très longtemps encore, qui font 1 mètre de diamètre la coupole, des tentacules de 6 mètres de long, et tout un troupeau de ça, alors qu'on ne l'avait jamais vu, c'est quand même surprenant. Donc ça continue. La science ne s'arrête pas de faire des découvertes. Voilà. Alors vous avez raison d'y croire. Oui, oui. D'autant plus que... On a découvert de l'intelligence dans Philippe de Villiers. C'est des trucs hallucinants. Oui, cette émission s'appelle La fin des mythes. Oui, c'est pas compétent dans le domaine. D'autant plus que, Juan, en plein Londres, on a fait une découverte rocambolesque. Avec des images à la preuve, la très sérieuse chaîne de télévision BBC diffusait en 1988 des images de dinosaures dans le cœur de Londres, dans des jardins londoniens. Et en fait, pour créditer ce reportage, les journalistes de la BBC se sont rendus chez un scientifique très renommé, suspecté de faire des recherches sur l'ADN. Ça nous fait tous rigoler parce que bon... Ouais. Tout le monde y a cru, sérieusement. Les téléspectateurs britanniques, certains y ont cru, puisqu'ils ont été nombreux tout de même à téléphoner au standard de la BBC. Mais évidemment, c'était un canular monté de toutes pièces. Et, la BBC, je crois que c'était une chaîne sérieuse. Mais sérieuse, mais le 1er avril, ils font de temps en temps des petits canulars. Alors continuons. Parmi tous ces animaux qui nous font fantasmer, il y en a un qui reste très mystérieux. Hergé, vous vous en souvenez sans doute, l'avait immortalisé sous les traits du Yéti dans Tintin au Tibet. Vous vous en souvenez, hein ? Vous connaissez Hergé par cœur, Alain, bien sûr. On l'appelle l'homme sauvage, il est à mi-chemin entre l'homme et le singe. On raconte qu'il vivrait dans les forêts, à l'abri des regards, et les rumeurs les plus terrifiantes ont circulé sur lui. Alors, qui est l'homme sauvage ? Comment vit-il ? Ronan Autré s'en est fait une petite idée pour nous. Une silhouette improbable qui se cache derrière les arbres, voilà à quoi pourrait ressembler une rencontre avec un homme sauvage. Ni homme, ni singe, il serait notre cousin des forêts, des montagnes reculées. Et pour beaucoup, son existence ne fait aucun doute. Bien sûr, l'homme sauvage existe. Il y en avait même en France jusqu'au siècle dernier. Qu'on l'appelle Yéti comme au Tibet, ou Bigfoot comme en Amérique du Nord, l'homme sauvage est un mythe universel. Il y a eu, et il y a peut-être encore, des hommes sauvages sur tous les continents. Tous les hommes sur cette terre ont un imaginaire, une représentation de l'homme retourné à l'état sauvage ou à l'état de nature. Oui, mais voilà, il n'y a aucune preuve de son existence. À ce jour, l'homme sauvage demeure insaisissable. Et pourtant, en 1920, un géologue suisse de retour d'une expédition au Venezuela ramène cette photographie du cadavre d'un grand singe femelle d'apparence humanoïde. Pour la première fois, on tient peut-être une preuve que l'homme sauvage existe. On lui trouve même un nom scientifique, l'améranthropoïde. S'il faut en croire ce que raconte le géologue suisse, il mesurait 1,57 m de hauteur, c'est-à-dire 2 fois la taille des plus grands singes d'Amérique. Il aurait été privé de queue, comme le gorille et le chimpanzé, c'était en sorte un anthropoïde sud-américain. Certains détails attirent cependant l'attention des spécialistes. Il n'y a aucun élément permettant de donner une idée de la taille. On aurait pu mettre une personne, un être humain à côté pour donner une idée de la taille et confirmer qu'elle avait réellement 1,57 m. Or, ce n'est pas le cas. Quant à la queue absente, d'après ce que dit le témoin, il suffisait de photographier la créature de 3/4 ou de dos, et non pas de face, ce qui ne permet pas de conclure absolument qu'elle n'a pas de queue.
Mais il y a plus, car cette photo a été recadrée. Le document original, qui n'a jamais été révélé par son auteur, permet de se faire une idée plus précise de l'échelle de la créature. La caisse sur laquelle elle est assise n'est en réalité qu'un bidon de pétrole de 30 cm de haut. Le cadavre de la photo ne dépasse donc pas 80 cm. C'est deux fois moins que la taille annoncée par le géologue. La mère anthropoïde n'est en fait qu'un vulgaire singe. De toute évidence, il s'agit en fait d'une espèce déjà répertoriée, qu'on appelle un attel. Entre autres, on reconnaît à première vue une espèce de triangle blanc au sommet du crâne qui ne fait aucun doute. Nous sommes cette fois en 1996 et ce que ces alpinistes viennent de surprendre n'est rien de moins qu'un abominable homme des neiges, le fameux Yeti, en un mot, la star des hommes sauvages. Observé pour la première fois au cours d'une ascension de l'Everest en 1921, il vivrait sur les flancs des montagnes de l'Himalaya. Plusieurs témoignages d'ailleurs ont fait état d'hommes sauvages tuant un yak pour le manger sous les yeux du berger qui n'en menait pas large. Hein. D'autant que pour les scientifiques, il ne fait aucun doute que le Yeti a bien existé. Les orang-outans sont en fait les derniers survivants de cette grande famille. Donc on peut imaginer un très grand singe roux, avec de longs poils roux, enfin là c'est l'économie d'hypothèse bien sûr, qui en fait était tout à fait paisible, hein, qui mangeait des bambous. Tiendrait-on enfin la preuve irréfutable que le Yeti vit toujours? Rien n'est moins sûr, car le film est pour le moins suspect. Eh bien d'abord, on ne sait même pas où il a été tourné. Certains disent dans l'Himalaya, et d'autres, d'après la végétation, en Norvège. Encore que dire la Norvège plutôt que la Belgique, etc. Alors pourquoi la Belgique? Parce que lorsqu'on écoute la bande son, il y a quelques mots de français et quelques mots de flamand. C'est à se demander s'il ne s'agit pas d'une histoire belge. Il est parti, c'est ce que vient de chuchoter l'un des deux alpinistes à son compagnon. Mais vous avouerez quand même, difficile de voir dans cette créature pour le moins maladroite, le fabuleux coureur des hauts sommets himalayens. En fait, cette forme improbable a une démarche qui fait irrésistiblement penser à celle d'un homme. Un homme dans un costume. Ça tombe bien, les Yétis ont déserté notre planète depuis quelques années déjà. Ils ont disparu quand même il y a 200 000 ans, de façon certaine. Et aujourd'hui, ceux qui les remplacent sont les pandas, vous voyez, hein, rien de terrifiant. Peut-être faudra-t-il alors partir à la recherche de l'homme sauvage du côté des forêts californiennes. Car en 1967, ces images réalisées par un photographe, Roger Patterson, vont relancer le débat sur l'existence du Bigfoot, l'homme sauvage nord-américain. Récit par Patterson d'une rencontre exceptionnelle qui va durer 2 minutes. Je me suis approché en courant pour mieux le filmer. Il s'est retourné plusieurs fois dans ma direction. Mais il ne semblait pas préoccupé par ma présence. Il ne s'est pas mis à courir. Il n'avait pas l'air du tout effrayé. La rencontre fait les gros titres. Pendant 30 ans, défenseurs et détracteurs du film vont s'opposer avec passion. Retour sur un débat qui continue encore aujourd'hui. Les techniciens russes, grâce à des techniques modernes, ont mis en évidence, en particulier en agrandissant la face de l'être que l'on voit sur le film, toutes les caractéristiques de l'homme sauvage. C'est-à-dire le bourrelet frontal avec les yeux enfoncés au fond des orbites, le nez aplati et retroussé, pas de lèvres, pas de menton. Ces conclusions sont pourtant loin de faire l'unanimité. Lorsque l'on regarde un agrandissement du visage de la créature, ça fait irrésistiblement penser à quelqu'un qui a un passe-montagne sur le visage. Un passe-montagne, pourquoi pas? Mais les partisans de l'authenticité du film ne manquent pas d'arguments. L'être, quand il se retourne vers le caméraman, retourne tout le buste, au lieu de retourner la tête comme l'aurait fait un homo sapiens. Pourquoi? Parce que comme les gorilles, il a des muscles de la nuque très épais. Et donc il ne peut pas tourner la tête comme un homo sapiens. Reste que certains détails ne collent décidément pas. La présence de poils sur les seins de la créature, puisqu'il s'agit d'une femelle, est aberrante au point de vue anatomique, jusqu'y compris sur le téton, sur l'extrémité du sein, à se demander comment le lait peut couler. Pour ce chercheur américain, Clyde Rinke, il ne fait aucun doute que le Bigfoot de Patterson n'est en réalité qu'un homme déguisé. Cet homme, il l'a même identifié. C'est Jerry Rodney, un ancien acteur au physique impressionnant, qui a bien connu Patterson à l'époque où le film a été tourné. Il mesure presque 2,10 m. C'est un homme massif, il doit peser au moins 120 kg. Mais surtout, si je suis sûr que c'était Rodney déguisé en Bigfoot, c'est que c'est lui qui me l'a dit.
Problème, l'intéressé nie catégoriquement avoir participé de près ou de loin au tournage du film. I guess maybe just because I'm pretty big. J'imagine qu'on a dit ça parce que je suis plutôt grand et que je connaissais Patterson à l'époque. Renke a dû se dire que ça ferait une bonne histoire. Mais ce n'est pas moi. On ne saura peut-être jamais si Rodney était la créature filmée par Patterson. Le mystère reste entier car Patterson lui-même est mort en 1972 en emportant son secret dans la tombe. Ce qui est certain en revanche, c'est que pour les scientifiques, aucun primate ne s'est jamais caché dans les forêts du nord de la Californie. Ce Bigfoot est donc un faux. Il n'y a aucun grand singe et encore moins singe en Amérique du Nord pendant 40 millions d'années. Les premiers grands singes qui arrivent là-bas, ce sont les futurs premiers Américains, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les Indiens. Or, ce qui est intéressant toutefois, c'est que ces premiers Américains viennent d'Asie, donc là où il y a les jambes du Yeti, et en fait, le Bigfoot serait peut-être la version mythique qui aurait traversé le détroit de Bering et qui serait installée en Amérique du Nord. Mais en attendant, ce Bigfoot, il n'a aucune réalité fossile, et en Amérique du Nord, il n'y a aucun fossile de singe ni de grand singe, et ce Bigfoot n'a jamais existé. Quant à ce film, il rapportera à son auteur des millions de dollars. Surtout, il est à l'origine de toute une série de faux, comme ce document anonyme, déposé en 1992 dans la boîte aux lettres d'un chercheur américain. Cette fois, il ne fait aucun doute que l'on a affaire à un homme dans un costume. En effet, une créature sauvage ne jouerait pas ainsi à cache-cache avec le caméraman avant de disparaître tranquillement dans un fourré. Décidément, le mythe de l'homme sauvage à la peau dure et ses colosses à longs poils n'ont pas fini de peupler notre imaginaire. Mais il faudra vous y faire, sa découverte n'est pas pour demain. C'est troublant l'image du Yeti dans la neige. En même temps, ça peut être Demis Roussos qui cherche son slip et en même temps, ça peut être vrai. Moi, je dis que c'est vrai. N'empêche que, Marc, il y a des légendes qui ont eu la vie dure, comme cette histoire de l'abominable homme des neiges, et qui se sont révélées vraies. Oui. Pendant longtemps, en Afrique, on a parlé de l'abominable homme des bois, qui était gigantesque, velu, qui étreignait les femmes jusqu'à les étouffer. Et en fait, on l'a découvert au Rwanda, c'est tout simplement le gorille. Et on le sait, en 1901 ou en 1902 qu'on l'a découvert. Il y a un siècle, en fait. Oui, c'est pas si vieux. Et personne n'y croyait jusqu'à ce qu'on l'envoie vraiment. Il y a encore des dossiers que moi, je trouve très, très troublants, comme l'homme du Caucase. Qui est une sorte de Yeti du Caucase, justement. Et on a des traces de ce personnage? On a des traces, on a découvert des empreintes, des marques dans des pommes. Il va voler des vêtements où il y a une odeur tout à fait bizarre et on a même enregistré un cri. Sylvain Mahuzier, explorateur et naturaliste, a enregistré ce cri. Le cri de l'homme du Caucase? Donc, on n'est jamais sûr à 100%, mais c'est un cri inidentifiable dans une région où tout le monde, absolument, on va l'écouter. C'est le cri de l'homme du Caucase, l'Olmasti. Et moi je vais vous dire, je suis tout seul perdu la nuit dans une forêt et j'entends ça, en courant. Hein. Oui, mais eux, ça fait 30 ans qu'ils le traquent et ils sont courus après justement. Et pendant toute la nuit, ils ont entendu ça et personne ne sait ce que c'est. C'est peut-être un singe, non? Alors, Marie-Jeanne Kaufmann, la spécialiste, a des méthodes de flic. Elle a un questionnaire d'enquête de police avec 80 questions. Au bout de 15 questions, on sait si c'est un canular. Hein. Et ils ont interrogé suffisamment de personnes? Il y a 800 témoignages tout à fait concordants, décrivant exactement la même bête. D'ethnies complètement différentes, de gens qui ne sont jamais venus. Des gens qui ne se connaissent pas. Jamais. Je ne sais pas exactement, un peu plus grande que l'homme, donc impressionnante. Ça dépend si c'est des femelles, des mâles, des petits, etc. La silhouette est la même. J'ai même un détail assez rigolo, mais tout le monde dit la même chose, c'est qu'elle a des mamelles très pendantes, enfin la femelle, et qu'elle se les met par-dessus l'épaule quand elle s'enfuit. Mais c'est vrai. Mais il y a eu des ethnies humaines où la bonne longueur pour le sein, c'était justement de pouvoir se la mettre derrière pour pouvoir travailler tranquille. C'est tout à fait authentique. Ça s'appelle se la mettre sur l'oreille. Il y a des choses vraisemblables et troublantes. Et on a un poil qu'on a trouvé de cet animal-là, qui a été envoyé dans trois laboratoires, à l'aveugle. Et on a dit, c'est un peu singe, un peu homme. Voilà. Absolument. Ouais. Absolument. C'est tout. Et voilà. Et la preuve est faite. Envoyer un autre mythe. Et le dahu, alors? Mais le dahu, c'est normal, il est sur les pentes, il a une patte plus courte que l'autre pour pouvoir tout ça, on l'appelle, il se retourne, il tombe, c'est ça là. Mais oui. Moi j'y ai cru à la chasse au dahu quand même, ils m'ont fait cavaler des kilomètres. Pas moi, ça tient pas. C'est drôle, mais j'y croyais encore. Et il y a quelque chose à quoi l'on peut croire, le loup-garou, Julie?
Bah oui, mais là, je crois que je vais encore décevoir Alain Chabat, malheureusement. Allez-y, parce que l'origine... J'ai réponse à tout. L'origine du mythe du loup-garou, eh ben, c'est peut-être en fait tout simplement une maladie qu'on appelle l'hypertrichose. Et vous allez tout de suite comprendre en voyant ces images. Voilà, c'est en fait un système pileux ultra développé qui fait que les gens eh ben, ont des poils partout. Et forcément, ça prête à confusion. Alors, on peut très bien se dire qu'autrefois, quand ces gens sortaient dans la rue à la nuit tombée, ils effrayaient les passants. Et c'est peut-être comme ça que le mythe du loup-garou est né. Bah ça, c'est sûr que vous rencontrez ça dans la rue la nuit. Ce sont des enfants, hein. Ce sont des enfants. Ah bon? Ah oui. On est comme ça, on est comme ça. Alors c'est une, ouais, c'est une maladie congénitale, héréditaire ou parfois liée à des troubles métaboliques. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On les rase? Ben oui, aujourd'hui on a des moyens très perfectionnés, l'épilation électrique. Mais c'est vrai qu'à l'époque, à l'époque on les lynchait. Ah oui, alors au Moyen Âge on les brûlait sur des bûchers, et puis au 19e siècle, ben on les trimballait dans les foires comme phénomène de cirque. Mais le mythe du loup-garou était vraiment très vivace, ne serait-ce qu'au XVIe siècle. Si je vous pose une colle comme ça, à votre avis, combien on a dénoncé de loup-garou en France au XVIe siècle? Au XVIe siècle, ouais. Le siècle entier? Ouais. Réfléchissez. On dénonçait bien une dizaine par mois. Mais alors là, ça m'oblige à faire une multiplication, ça ne va pas être possible. Bon, ben, 30 000 au total. Voilà, c'est ça, une dizaine par mois à peu près. Oui. Ça vous est déjà arrivé de rentrer dans un château hanté? Oui, et d'entendre des bruits super étranges et d'aller jeter un œil avec au moins 15 potes, parce que seul, même pas en rêve, d'aller voir d'où viennent ces bruits de chaînes et tout ça. Mais ça tombe bien que vous disiez ça, parce que si nous ne sommes plus dupes de certains trucages, Alain, il faut bien l'admettre tout de même que les fantômes continuent à nous faire peur, je crois à tous. Eh bien, en fait, les fantômes, c'est vieux comme le monde, on en parle depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ, mais pourquoi nous fascinent-ils autant? Barbara Bernard, Grégoire Gosset et Thomas Le Guen ont joué pour nous au Ghostbuster. Regardez. Dans le film Antise, trois jeunes gens insouciants vont passer leurs vacances dans un vieux manoir au passé tourmenté. Et dès la première nuit, les fantômes se manifestent. Les gens adorent se faire peur. D'une certaine manière, ça les calme et en sortant, ils peuvent rire plus librement. On adore se faire peur. La preuve, en une semaine, le film a fait 430 000 entrées. Un des plus beaux succès du moment, car les histoires de fantômes, c'est aussi un des plus vieux fantasmes au monde. Ça peut avoir une vertu thérapeutique en ce sens que ça permet aux gens de défouler leurs angoisses profondes qu'ils étouffent dans la vie quotidienne. Pas besoin pourtant d'aller au cinéma pour se faire peur. À une heure de Paris, au milieu de la campagne normande, l'abbaye de Mortemer cultive une curieuse légende, celle d'être le site le plus hanté de France. Et pour Henri, le gardien des lieux, les fantômes, c'est pas du cinéma. Dans cette pièce, à la Révolution, il restait quatre moines et les révolutionnaires les ont pris pour des bandits, des affameurs du peuple, comme ils le disent. Ils les ont assassinés et le sang s'est mêlé au vin des fûts qui avaient été éventrés auparavant. Et depuis, eh bien, les moines cherchent à se venger. Et comment se venger? En terrorisant les habitants, à commencer par Véronique François, la gardienne du musée. Au moment où j'attrape cette grosse barre en fer, il y a eu un claquement qui provenait du premier fût. C'était d'une puissance extrême. Quelques semaines plus tard seulement, les bruits vont recommencer. Quand je suis entrée, il y avait un bruit mais terrifiant qui venait de la fenêtre du palier, qui bougeait mais avec un bruit à faire péter les vitres. Alors ben, ce que je fais, je disais pas, faut que je monte voir, mais enfin j'étais pas trop décidée, tellement j'avais peur cette fois-là, vraiment pétrifiée. Et comme de juste, il n'y avait absolument rien, hein, tout était en bon ordre. Alors une demi-heure plus tard, ma collègue arrive et je dis, regarde, je vais t'imiter ce que j'ai entendu, je prends la fenêtre, je la secoue et là je vous jure, je vous garantis que le bruit que je suis en train de faire n'a rien à voir en intensité avec ce que j'ai pu entendre quand moi je suis entrée seule au château. Face à tout ce vacarme, un homme reste stoïque. Didier Audineau est journaliste et pour tenter de comprendre ces phénomènes étranges, il a passé une nuit dans l'abbaye. Pour lui, tous ces bruits s'expliquent facilement. Les murs, qui sont des choses dures, qui renvoient les sons, ça peut vous donner des jeux de sons alors qu'ils sont fabuleux. Ça peut tout vous donner, ça peut juste de la voix humaine jusqu'à l'impression qu'un autocar se gare à côté de vous. Une vraie chambre d'écho en fait, car l'abbaye est construite en bois et en pierre. À la moindre variation de température et d'humidité, les matériaux se dilatent et provoquent des bruits étranges. Boum, boum, assez lourd comme ça. Je m'approche et pensant arriver
à l'endroit où j'entendais les bruits, je les réentendais de l'autre côté. Alors, je me ravance toujours de l'autre côté où j'entends les bruits. Et étonnamment, ça se retrouvait toujours à l'opposé. Souvent, dans les vieilles maisons, il ne s'agit pas de hantises, mais tout simplement d'oiseaux nocturnes qui ont prigite dans la maison, généralement dans les hauteurs, et qui, au coucher ou au lever, commencent à se manifester en marchant, parce qu'on ne vole pas dans un grenier quand on est un grand-duc. Ces animaux produisent un son qui est identique à celui des pas humains, c'est ainsi méprendre. Mais pour d'autres, ces pas sont ceux de Mathilde, la dame blanche de Mortemer, une jeune fille emmurée vivante au Moyen-Âge pour sa conduite légère. Mathilde, c'est la dame blanche, mais Mathilde a une présence vraiment, vraiment... On la sent. Et quand vous marchez au bord des étangs, on croirait qu'elle vous accompagne dans votre démarche. On croirait qu'elle est à côté de vous. Quand vous êtes là-bas, dans cette vallée encaissée, le soir, surtout au printemps, vous avez des volutes qui se dégagent de vapeur de l'étang, qui, avec les mouvements de vent très doux de la vallée, peuvent faire croire à l'existence de formes humaines. Et moi, j'ai été pris au piège plusieurs fois, il ne s'agissait que de volutes. Des volutes de fumée causées par le brouillard, le ruissellement de l'eau et la présence des animaux à Mortemer, un cocktail idéal pour les fantômes, non? Alors, les fantômes, fantasmes, illusions? Au moins, ces créatures de l'au-delà nous permettent de perpétuer le souvenir des grandes figures du passé. Monter au grenier, même pas en rêve? Non, mais en plus, quand on arrive, pourquoi ils restent? Moi, c'est ça que je me demande toujours. T'arrives dans une maison, les murs saignent, il y a des voix qui te disent « va-t'en ». Moi, je dis « ok, je me casse, pas de problème ». Les gens disent « non, je vais rester un peu quand même ». En plus, ils finissent toujours par, c'est un petit groupe, et puis ça oui. Finit toujours par un qui monte voilà. Au grenier pour voir où sont les autres. Soyons hein. Prudents, séparons-nous. Toi, cours toute seule dans la forêt. Moi, je vais aller toute seule dans les douves. Ah, ouais. Alors, je ne vous présente pas parce que vous le connaissez déjà, Jean-Noël Capferrer. Bravo, merci d'être avec nous, Jean-Noël. Jean-Noël Capferrer, vous êtes un peu le père de la rumeur, si je puis dire, puisque ce livre qui est paru en 1987 déjà a été traduit en 13 langues, je 13, crois. Oui, 13. Et c'est un ouvrage remarquable que vous avez lu, bien ouais, sûr. C'est un super bouquin. Moi aussi, je crois, beaucoup d'entre nous. Il résulte de ce livre, entre autres choses, Jean-Noël, je pense que l'homme a besoin de croyances, non? Ben, nous sommes adultes, mais nous sommes aussi enfants. Et chez l'enfant, l'imagination domine. Chez l'adulte, elle est réprimée par la société, mais elle est là. Et l'imagination a besoin de... C'est un muscle, l'imagination. Alors, c'est un muscle qu'on peut mettre au service d'une profession, créateur, publicitaire, artiste, mais c'est un muscle qui travaille en permanence. Et quel rôle jouent les rumeurs dans la création des mythes? Les rumeurs utilisent les mythes. On ne peut croire une rumeur que si elle prend une autoroute de la pensée. C'est-à-dire qu'elle, en gros, elle épouse des formes auxquelles on croit déjà. Par exemple, on peut dire qu'il y a un mythe éternel, c'est celui de l'extraterrestre qui vient nous voir. Bon, alors ça ressemble, au Moyen-Âge, c'était l'apparition religieuse. Ouais. Au fur et à mesure qu'une société devient athée, ou ne croit plus à des apparitions, on va avoir les soucoupes volantes. Voilà. Ouais. Donc il faut bien voir, c'est toujours le problème du rapport entre l'humain et le ciel. Pourquoi faut-il que ça soit toujours négatif, une rumeur? Parce que tout ce que vous avez montré dans cette émission, sur les craintes, le Yeti, le Loch Ness, le Dracula, etc., c'est la peur. Les enfants aiment avoir peur, nous continuons à aimer avoir peur à condition de le maîtriser. Mais il y a une rumeur dont Juan va nous parler, qui s'est répandue en Afrique comme une braise. Ah. C'est la rumeur des répartitions de sexe, vous la connaissez? Bah oui, c'est j'avais entendu parler de ça. Absolument. Une rumeur qui a provoqué des cas d'hystérie collective, la rumeur des rétrécisseurs de sexe, imaginez-vous, elle s'est répandue très très vite dans 7 pays d'Afrique. En quelques mois, tous les hommes craignaient évidemment d'avoir le sexe rétréci. Pourquoi? Qu'est-ce que c'était? Le principe, c'était de ne pas rencontrer un rétrécisseur. Cette personne. Ça ressemble à quoi? Un rétrécisseur, c'est un homme comme vous, comme Alain Chabat, comme Jean-Noël, voilà, qui vous serrait la main. Et en quelques secondes, la victime était prise de frisson et sentait son organe s'enfoncer dans le corps. Alors évidemment, la victime prise de panique accusait l'autre. Et ça vous fait rire. D'être un sorcier. Non, mais vous allez voir, c'est pas drôle, Alain, vous allez voir pourquoi. Parce que la victime accusait l'autre d'être un sorcier, et comme la scène se déroulait à chaque fois dans la rue, eh bien la foule lynchait, passait à tabac le pauvre suspect finalement. Et donc, il suffit de jeter un coup d'œil sur la presse sénégalaise, notamment. Regardez, panique et dérives mortelles, vol de sexe, vol de sexe.
Un réducteur de sexe lynché. Il lynchait les réducteurs de sexe. Et même la presse se demandait si finalement les Africains n'étaient pas devenus fous. Alors, en fait, ce qu'il faut expliquer, en fait, c'est que derrière cette rumeur, il y avait tout de même la présence de la sorcellerie. Et c'est vrai que tout le monde croit à la sorcellerie en Afrique. Ça fait partie du mental, du quotidien des Africains. Et donc voilà, on peut comprendre finalement que. Et en France, bonne partie. Non, mais on peut comprendre en Afrique qu'une bonne partie de la population est crue à cette rumeur et en s'est rétrécissant. Les gens, ils ne pouvaient pas regarder si leur sexe, ils avaient rétréci ou pas. Non, mais tu veux dire, avant d'accuser. Annabelle, vous êtes d'une naïveté touchante. Mais non. Si, je vous assure. Mais je voudrais que maintenant, nous revenions sur une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre il y a un an. Ça s'est passé dans l'est de la France, dans un tout petit village dont personne n'avait jamais entendu parler. Et en quelques jours, l'église est devenue le théâtre de phénomènes surnaturels très angoissants. Pourquoi ces phénomènes paranormaux et surtout, comment s'est propagée la rumeur dans la population? Nous sommes retournés sur place, regardez. Delain, 200 habitants qui vivaient en paix à l'ombre du clocher. Jusqu'à l'année dernière en tout cas, car le 15 octobre 98, le diable établit ses quartiers dans l'église. Il va y rester 2 semaines. Ça fait peur, même si vous êtes solide, tout, vous avez peur. Peur de quoi? Peur de tous ces objets liturgiques qui ont éclaté sur les dalles de l'église de manière inexpliquée. Peur aussi de ces statues mutilées, de leurs ornements. Les premiers témoins n'en reviennent pas. Le paranormal envahit l'église. Honnêtement, moi j'y ai cru. J'y ai cru et bon, je ne m'intéresse pas particulièrement à ces phénomènes, mais j'y ai cru comme tout le monde, comme les gendarmes et comme le curé, puisqu'il a fait venir un exorciste. On ne fait pas venir un exorciste, ça n'y croit pas. Je n'avais jamais vu ça de mes yeux. Et pour la première fois, ici dans l'église, j'ai vu des coupelles qui volaient. À l'origine, pourtant, c'est un minuscule événement qui déclenche l'affaire. Au départ, c'est une affaire toute bête, toute simple. C'est une ampoule qui claque. Tout simplement, dans ce lieu où le moindre écho, en fait, est répercuté jusqu'au dernier mur de cet édifice. Donc ça a résonné, ça a effrayé pour la première fois les conseillers municipaux. C'est en fait le déclenchement de l'affaire. Mais très vite, les phénomènes surnaturels se multiplient à l'intérieur de l'église. Il y a eu des cierges sur l'autel là-bas qui se sont soulevés. Il y a eu des coupelles qui ont été lancées, en fait, que... Des témoins, une douzaine de témoins, ont vu partir devant eux et revenir. Donc, comme mus par une vie propre, il y a eu une statue qui est tombée, d'abord le corps, ensuite la tête. Enfin, bon, à partir de là, il y a une véritable psychose qui s'est installée dans le village. À Delain, il n'en faut pas plus. De maison en maison, la rumeur va traverser le village comme une traînée de poudre. L'église, c'est sûr, est habitée par les esprits. Les effets paranormaux comme ça, bon, je dis pas que ça n'existait pas, mais... Une ou deux choses, peut-être dans un mois, d'accord, mais là, il y avait beaucoup de choses. Comment prendre ça? Je savais pas. Je ne savais pas, il y en a qui ont compris. Moi, j'ai pas compris. Il y a des choses comme ça qui arrivent à vos pieds. J'ai été voir ma copine, j'étais là voir, je sais plus pourquoi, puis elle m'a dit ça. Bon, ben, j'ai dit, c'est des conneries, puis en fait, bon, ben, elle dit, non, je te raconte pas des conneries, c'est vrai. C'est pas des trucs à l'église. Alors il y a eu effectivement les témoins, il y avait à peu près une dizaine ou une douzaine de témoins qui avaient véritablement vu, mais d'autres qui commentaient, effectivement, dans le village. Ensuite, les commentaires se sont propagés au village voisin, tout le monde se voyait au café, on en parlait au débit de tabac, tout le monde y allait de son commentaire. Ça a permis de s'arrêter sur le trottoir et puis de dire, tu sais, t'as vu ce qui se passe à Delain Il y avait un truc surnaturel, Bon, tout le monde en rigole, des trucs naturels, mais moi j'y crois, c'est tout. Alors moi je n'en rigole pas de ça. Et à Delain non plus, on ne rigole pas. Surtout pas les gendarmes qui ont investi la petite église et la passe au peigne fin. Des gendarmes qui se demandent quel mauvais génie a bien pu déplacer cette statue sur les marches de l'hôtel. Nombre de vos confrères m'ont posé la question suivante. Existe-t-il une cellule X-Files à la direction de la gendarmerie? À ma connaissance, n'existe pas. La vérité est-elle ailleurs que dans le surnaturel? La presse, en tout cas, s'est saisie de l'affaire et elle ne va plus la lâcher. En 3 jours de temps, il y avait du monde partout, même à casser les vitraux de l'église pour voir ce qu'il y avait dans l'église. Puis après, il y avait un bottefleur qui bougeait sur une tombe. Alors tout le monde était là en train de regarder si... Non, mais faut arrêter. Hein. Un petit truc comme ça, ça a fait un truc mondial. Parce que ça a fait un truc mondial. Hein, ça.
Mondial, en effet. Et pour les télévisions qui se sont déplacées, un interlocuteur s'impose. C'est Thierry Marceau. Le jeune maire semble jour après jour prendre plaisir à son nouveau statut de vedette. De quoi aiguiser encore un peu plus la curiosité des journalistes. Nous-mêmes, on a été planqués une nuit dans le cimetière pour voir s'il n'y a pas des phénomènes particuliers. Bien entendu, il ne s'est rien passé. Et pour cause. Et pour cause, en effet. Après 10 jours d'enquête, nouveau coup de tonnerre. Cette fois à l'extérieur de l'église. Les gendarmes découvrent le poteau rose. Le coupable, c'est lui, c'est le maire. Et les habitants restent sans voix quand ils apprennent la nouvelle. C'est le maire. Qui ? Thierry Marceau. Qui a fait la blague ? J'y crois pas. Et si, les cierges qui volent, c'était bien lui. Il suffisait d'agir quand les autres avaient le dos tourné. Je prenais un objet que je dissimulais, puis je l'ai lancé, puis voilà, c'est tombé par terre. Ouais, je me rangeais pour que les personnes ne me voient pas, et puis c'est tout. Il y a toujours des angles morts, des points... Si je l'ai fait, je ne suis pas... Je suis ni prestidigitateur, ni magicien, ni rien, quoi. Bah déjà, premièrement, on nous a pris pour des cons, quoi, évidemment. Grâce à lui, quoi. Parce qu'il n'y a pas d'autre. C'est grâce à lui qu'on est des cons. Pour avoir abusé les siens, Thierry Marceau a dû quitter le village, condamné à une peine de travaux collectifs. Et aujourd'hui, il ne fait plus le malin. C'est une blague qui aurait dû rester entre moi et 2 ou 3 personnes, et puis voilà quoi. Je ne savais pas comment expliquer que c'était moi, et puis j'ai continué devant de plus en plus de personnes, et puis voilà. À un moment donné, ils m'ont témoigné leur confiance, et puis moi, soudainement, comme ça, je la trahis en faisant un peu n'importe quoi. Là, c'est normal qu'il y ait de la rancœur, de l'amertume, de la colère et tout ça. Car un an après s'être fait berner, le village a toujours la gueule de bois. Lorsqu'ils ont appris que c'était un canular, ils sont tombés de haut et ça leur a fait vraiment très mal. C'est un village qui est vraiment blessé. Et lorsqu'aujourd'hui vous demandez aux habitants leur avis sur l'affaire, voilà ce qu'on vous répond. Non, mais il a pas le bol, hein. Alors, vous avez compris ? Il s'est vraiment fichu de nous, quoi. Et si l'ancien maire y revenait, il serait accueilli comment ? Je sais pas que j'y. Tout de même, on n'a plus le droit de blaguer, quoi. En clair, c'est ça que ça veut dire. Quand on non. Il y a des limites. Enfin, c'est-à-dire que la blague aujourd'hui, si elle est médiatisée, elle touche énormément de monde. Voilà, c'est enfin, ça. Avant, c'était la blague entre copains. Là, par exemple, sur Internet, vous pouvez... C'est ça la grande différence entre les rumeurs d'avant et les rumeurs d'aujourd'hui. Avant, vous racontez une rumeur, vous racontez une histoire, ça vous touche 15, 20, 30, 40 personnes. Bon. Grâce à Internet, vous tombez sur un groupe, un forum, et vous pouvez y faire toucher comme ça 200, 400, 500 000 personnes. Bon. Donc on touche là la base d'Internet, d'ailleurs c'est des rumeurs, enfin, c'est-à-dire c'est le bouche à oreille. Il y en a une bonne qui vient de sortir là. Oui, mais en fait, elle n'a pas l'air de marcher beaucoup. J'étais dans un taxi et c'est arrivé à un pote aussi. Au moment de sortir, dans le taxi, je voulais passer un coup de fil et le mec m'a dit non, téléphonez pas parce que ça déclenche les airbags. Mais c'est intéressant parce que premièrement, c'est vrai qu'ils sont tous inquiets. L'airbag est un... Il y a des accidents de temps en temps et donc le tout est de prévenir. Et ce que je trouve intéressant, c'est la convergence entre la crainte du téléphone et puis cette réelle crainte de l'airbag. Va-t-il exploser aujourd'hui? Va-t-il se déclencher inopinément? Tout de même. Voilà, nous avons terminé avec la rumeur. Si vous en avez d'autres, vous nous téléphonez. En tout cas, merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci infiniment. Alors, continuons. Si certains canulars prêtent à sourire, d'autres sont beaucoup plus contestables car ils reposent sur la crédulité des gens. Vous vous souvenez sans doute de ces scènes de dévotion dans le sud de l'Italie. Il y a quelques années, des pèlerins s'étaient déplacés en masse par milliers pour contempler la statue de la Vierge qui pleurait des larmes de sang. Christophe David nous rappelle cette histoire incroyable. Civita Vecchia, à côté de Rome, en 1995. La folie s'est emparée de la population et les touristes affluent des quatre coins du pays. Pourquoi ? Pour qui ? En fait, tous sont venus voir cette statuette de la Vierge, statuette qui aurait pleuré des larmes de sang. Non, moi je ne l'ai pas vue pleurer, mais j'y crois. Et puis ce lieu avec ce qui se passe est devenu un endroit de paix et de sérénité. C'est sûr, il y a quelque chose. L'Italie, c'était un peu la terre des miracles, la terre de la fantaisie. Et ce genre de choses, des statues qui pleurent, qui saignent, des apparitions et tout, c'est très fréquent et très italien. C'est cette petite fille qui aurait vu la première pleurer la Madone. Mais s'il y a des témoignages, aucune caméra n'a pu filmer le phénomène. Et de toute façon, faire pleurer une statuette, ce n'est pas très compliqué. Il y a toutes sortes de procédés pour le faire. Un procédé tout à fait ingénieux est de placer dans une statue creuse un petit appareil qui existe en Italie, qui pèse 100 grammes à peu près,
et qui, grâce à un système de seringues intérieures et de petits trous creusés à la hauteur des yeux et reliés par un tuyau à la seringue, sous télécommande, pleure quand on veut, comme on veut, à la demande. Et souvent, les fraudeurs utilisent des techniques beaucoup moins sophistiquées. Il s'agit de prendre une seringue, de la remplir avec un liquide rouge coloré, d'être assez loin de la statue, d'attirer l'attention des gens par la prière, par un climat, par une légère pénombre, vers un autre point, et à un moment de presser brusquement sur la seringue et de projeter le liquide sur la figure de la Vierge. On a l'impression à ce moment-là, évidemment, ou qu'elle pleure ou qu'elle saigne. Autre méthode toute simple pour une illusion réussie, une statuette en plâtre intégralement recouverte de vernis. Il suffit de gratter un petit peu le vernis juste au niveau des yeux, hein, sur la statue. Vous enlevez le vernis, mais de manière très très peu visible, avec un petit cutter. Et puis vous faites un petit trou au sommet du crâne, hein, et vous injectez lentement un liquide, par exemple de l'eau salée. Donc il va s'imbiber dans le plâtre, dans tout le plâtre de la statue. Par capillarité, l'eau va se répandre partout dans la statue. Elle ne peut sortir nulle part parce que tout est vernissé, sauf là où vous avez gratté un petit peu aux yeux. Donc ça va s'accumuler, ça va former des petites gouttes et tac, ça va donner des larmes. Les statues qui pleurent, c'est quelque chose de tout à fait impossible, c'est évident. Les statues ne pleurent pas, mais les hommes et les femmes saignent. Certains souffrent même parfois de blessures étranges aux pieds et aux mains. Blessures identiques à celles du Christ sur la croix. Ce sont les stigmates. Et là aussi, le plus souvent, ce n'est pas très mystérieux. On voit assez souvent un phénomène qui ne résulte finalement que d'une automutilation, tout à fait consciente. Avec des aiguilles, par exemple, avec des lames de rasoir, en se grattant, etc., pour donner l'impression d'une plaie et pour faire saigner un peu. Il suffit qu'il y ait un peu de sang, c'est très spectaculaire. Mais les stigmatisés ne sont pas toujours des menteurs. Il y a également des dédoublements de personnalité, appelons ça comme ça, dans lesquels la personne numéro 1, celle qui est dédoublée, disons, trafique son corps, crée des plaies ou des érosions, et la personne numéro 2, à l'état normal, ne se les rappelle plus, ne se rappelle plus ce processus, et croit de bonne foi qu'elle est stigmatisée. Donc on ne peut absolument pas parler de supercherie. Mais la malhonnêteté et la folie expliquent-elles tous les phénomènes étranges? Pas si sûr. Il y a effectivement quelques cas rares, très rares, il faut bien le dire, inexplicables, dans l'état actuel des connaissances médicales, j'entends. Il y a d'autres phénomènes encore plus étonnants. Le cas de cette jeune fille libanaise, par exemple. Elle pleure des larmes de verre, jusqu'à une vingtaine par jour. Pour ses parents, pas de doute, c'est un miracle. Ce n'est pas un miracle, les bouts de verre ont été mis là au préalable et ils ne sont pas venus par intervention du Saint-Esprit. Il y a une technique tout à fait imaginable pour réaliser ce genre d'illusion. Il suffit de mettre ces morceaux de verre sous les paupières du haut et du bas, de tenir un petit peu la paupière, de bouger un petit peu les yeux et le morceau de verre va sortir de sous la paupière. Mais c'est une technique qui n'est pas du tout sans risque pour l'œil de cette jeune fille. Dangereux et surtout inconscient. Pas bon l'effet, hein, ouais, hein. J'aurais des larmes de verre. Mmh. N'empêche que bon, c'est bien monté leur truc. C'est super bien fait, ouais. Hein, ouais. On y croirait. Ouais, ouais, ouais. C'est très bizarre, je me souviens de cette image. Ouais. Oui, n'est-ce pas? Alors, je vous présente Henri Brock. Bonjour, monsieur. Ravi de vous accueillir sur le plateau. Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en sciences et professeur à l'université de Nice, Sophia Antipolis. Vous êtes quelqu'un de très sérieux. Vous êtes venu avec des accessoires. Mais avant toute chose, et avant que vous nous expliquiez ce qui va se passer sur ce plateau, vous allez voir, ça va être très surprenant, je voudrais que vous sachiez qu'Alain Chabat est un grand bricoleur et nous a concocté une cassette produite, écrite et réalisée qui est sortie il y a 5 jours, voilà. Hein, qui s'appelle « Les Bricole Girls ». Alors, ce sont 3 jolies filles, un petit peu déshabillées, la plupart du temps même. Camille, Elena et Suzanne, oui. Non, zeste. Bah oui, bah c'est, on n'est pas toujours en bleu de travail quand on bricole. Bah voilà. Et voilà. En fait, c'est ça l'idée. Oui. Et c'est pour donner envie à tous les hommes de bricoler. J'aime beaucoup les instruis-toi en t'amusant. Oui. Et j'aime bien, j'avais envie de faire une cassette pratique sur un sujet que je ne connais pas, qui est le bricolage, puisque je suis nul. Et pour qu'on m'y intéresse, voilà, comme j'aime bien les jolies filles, je me suis dit que le mélange des deux va peut-être m'intéresser. Et ça donne ça. Ceci est un clou. Non. Non, 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 non. Vous aimez les belles filles, mais vous ne savez pas bricoler. Non. Oh là là, très facile.
Vraiment pas? Non. C'est tout ça. Bricole Girls, des belles filles qui vous apprennent à bricoler. Suzanne, Elena et Camille, trois vrais pros. Je veux mon neveu. Bricole Girls, une cassette vidéo de bricolage vraiment bien pour Noël, à offrir à Noël. Ou à d'autres gens aussi. Bricole Girls, c'est du bricolage, du bricolage, du bricolage. Présenté par des bonnes... des belles filles. Bricole Girls, une cassette tout public, pratique, sexy, rigolote et pas chère, mais alors pas chère du tout. Une vidéo de bricolage en vente à peu près partout avec la participation des nuls et de Jamel. Les gorillons. Bravo les Bricole Girls. Bricole Girls, un bon cadeau de Noël à offrir à Noël. Achetez-la, s'il vous plaît. Du bricolage, du bricolage, et rien que du bricolage. Voilà. Donc c'est une cassette de bricolage. Il faut aimer les cassettes pratiques, il faut aimer le bricolage. Il faut aimer les filles aussi. Il faut aimer les filles. Éventuellement. Une cassette de cuisine en préparation qui s'appelle les Kitchen Dell. Ah oui. Avec des beaux jeunes hommes qui vont nous donner des recettes de cuisine. Ah, ça va être top. Est-ce qu'on peut revenir à quelque chose d'un peu plus sérieux? Eh bien, on est parti pour. Vous allez voir que M. Brock, qui vient donc de Nice pour nous, vous êtes donc professeur de physique, M. Brock, et vous enseignez surtout la zététique. Vous avez déjà entendu parler bien de la zététique. Sûr, mais reparlez-nous-en un petit peu. La zététique, ça vient du grec zétein, qui veut dire chercher. Donc finalement, c'est la méthodologie scientifique. Donc l'idée, c'est d'utiliser le support, disons, motivant des phénomènes paranormaux, pour essayer d'attirer les étudiants et de leur faire comprendre concrètement la méthode de recherche. Quoi. Donc en gros, vous allez nous faire comprendre des choses qu'on ne comprend pas. Qui sont présentées souvent comme inexplicables, alors qu'elles sont peut-être inexpliquées et qu'elles ont peut-être une explication. Bon, on attaque dans le vif du sujet? Pourquoi pas. Commençons par quelque chose qui a intrigué les foules pendant des siècles, non? Qui les intrigue encore, peut-être. Oui. Qui est l'explication du miracle du sang de Saint-Janvier? Alors le sang de Saint-Janvier, c'est donc une ampoule qui est conservée donc, dans une basilique à Naples. C'est un petit peu le saint patron de la ville. Et à trois dates dans l'année, le sang est censé, donc ce sang censé être vieux de plusieurs siècles, se liquéfie. C'est du sang figé donc, et il se liquéfie. Alors il se trouve qu'on peut reproduire le même phénomène avec toutes les caractéristiques dans les mêmes conditions, avec quelque chose de très très simple. Une recette qui est donnée, il suffit de prendre le Larousse par exemple du 19e siècle, pas le Larousse du 20e siècle, on ne trouve plus, mais on prend le dictionnaire ancien et vous cherchez Saint-Janvier, et à Saint-Janvier on vous donne la recette. Ah bon? Il faut prendre un petit peu de spermaceti, je ne sais pas si... De quoi? De spermaceti, du blanc de baleine, de l'huile de cachalot. C'est non, j'ai eu un doute un instant. Non, mais le doute n'est pas un doute, c'est parce que ça a une couleur et une consistance qui rappelle, évidemment. Ça se trouve partout. Ça se trouve partout, vous allez en pharmacie, vous trouvez chose comme problème. La couleur, je veux bien, mais la consistance, ça fait longtemps que vous n'en avez pas vu. Ah, attendez, quand ça sera mieux, vous allez voir, ça fait pas. C'est vrai que, oui. Donc c'est utilisé en cosmétologie. Ça, c'est des racines d'orcanette. L'orcanette, c'est une petite plante qui pousse tout autour du bassin méditerranéen. Et les racines séchées, c'est un fort colorant rouge. C'est utilisé depuis très longtemps. Et on trouve dans des textes grecs du 3e siècle que pour imiter le sang, il faut mélanger de l'orcanette avec du miel. Donc c'est connu depuis très longtemps pour bien imiter la couleur du sang. D'accord. Donc on prend ces racines, on les broie, on les met dans un filtre, style filtre à café. On fait passer de l'éther sulfurique dessus qui extrait le colorant. On prend le spermaceti et on le chauffe un petit peu. Et là, il commence à prendre une consistance un petit peu plus molle. Ouais. On touille bien. Oui. Et suivant les proportions qu'on a mis, vous allez obtenir un mélange comme celui-ci, qui va être figé à une certaine température. Donc ça dépend des proportions. Par exemple, 12, 13, 14 degrés. Et puis, si vous le tenez un petit peu en main, ou si vous faites venir 1000 fidèles à 37 degrés C. Donc ça, c'est du sang figé pour tous les fidèles, d'accord? Oui, et puis maintenant, il va se défiger un petit peu. Et il fait beaucoup plus chaud à la période où ça se passe en plus, non? Non, c'est pas ça. Ah oui, comment ça couler? Septembre, c'est en septembre. Ah oui, ça y est, ça. Ce qui fait beaucoup plus chaud, c'est que la crypte est à, disons, 9-10 degrés là où c'est conservé. Et puis quand vous faites venir des personnes, donc des milliers de fidèles pour prier au bout de 1 heure ou 2 heures, parce que le phénomène est long à venir, pour qu'il soit véritablement cru, un phénomène parapsychologique, il faut que ça dure. Il ne faut pas qu'ils viennent tout de suite comme ici, là, c'est pour faire une démonstration. Si vous voulez faire sérieux, il faut faire durer. Non, mais là, on voit bien, ça commence. Voilà. Oui, c'est ça, il faut que ça dure des heures, en fait. Exactement. Donc, à partir du moment où on peut reproduire le phénomène, bien, l'hypothèse surnaturelle est superflue. Ça ne veut pas dire qu'elle est fausse, nécessairement, que je sois bien clair. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on nous donne l'ampoule, et il suffit qu'on regarde, on passe au spectro, et on peut tout de suite voir ce qu'il y a dedans. À partir du moment où on peut le reproduire dans les mêmes conditions, avec les mêmes caractéristiques, nul n'a le droit de faire appel au miracle. D'accord.
Mais bon, on n'a jamais examiné le sang qui est dans la fiole, donc on ne sait pas si c'est vrai ou faux. C'est limpide. D'accord. C'est limpide. Ouais, ouais. Alors, il y a aussi des superstitions. Dieu sait qu'il y en a des superstitions, Annabelle. Ça, c'est un sujet qui me passionne. Oui, il y a des superstitions. Moi, ce qui m'a le plus surpris en me plongeant là-dedans, c'est qu'en fait, les superstitions, elles sont vraiment ancrées dans notre quotidien. Vous êtes superstitieux, vous ? Oui, oui, c'est tout. Par exemple, qu'est-ce qui... Tout ? Je ne sais pas. Bon, évidemment, tous les échelles, tous les chats noirs, les trucs, les machins comme ça. Ça vous... Je ne décide rien le vendredi soir, je ne sais pas pourquoi. Un truc GG de mon père. Ou les chiffres 13 ? Oui, mais le 13, j'aime bien, mais enfin, ça veut dire que je suis superstitieux, j'aime bien le 13, j'aime bien le 7. Donc vous jouez au loto le 13, par exemple ? Non, je ne joue pas au loto, parce que ça, c'est une arnaque, ça, je suis... vous avez remarqué aussi ? Oui, ça, j'ai remarqué, je me suis fait avoir plusieurs fois, maintenant, j'ai compris. Le chiffre 13, ça vient d'où ? Alors, le chiffre 13, ça vient, en fait, à l'époque de Jésus-Christ. À l'époque, on avait décidé de compter les gens par 12, et on disait que si on rompait ce cycle, bah, ça allait porter malheur. La preuve, c'est que Jésus-Christ, c'était le 13e des apôtres. Il y a eu ensuite Marat, le duc de Berry, et Alexandre II de Russie, qui ont été tous les deux assassinés le 13. Et il faut savoir que quand vous allez aux États-Unis, il n'y a pas de 13e étage dans les hôtels, peut-être que vous l'avez remarqué. Mais attendez, et il n'y a pas de siège 13 dans les avions. Mais oui, dans aucune compagnie aérienne, vous ne trouverez la rangée 13. Ah ben non, parce que de 12 à 14. Donc si vous êtes à la rangée 14, vous êtes à la 13. Moi, ça, c'est je me suis bien fait comprendre. Ah, oui, d'autres superstitions. Alors, il y a d'autres superstitions. Le chat noir, par exemple. Bah, le chat noir, en fait, c'est un chat qui appartiendrait au diable, donc ça porterait vraiment malheur de le rencontrer. Passé sous une échelle, l'échelle formerait un triangle qui représenterait la Sainte Trinité entre le mur, l'échelle et le sol, et ce serait profaner cette Sainte Trinité que de la traverser. En revanche, si vous êtes aperçu, vous êtes passé sous l'échelle et que vous n'en êtes pas rendu compte, il y a un moyen de conjurer le sort. C'est de repasser dessus. Vous croisez les doigts jusqu'à ce que vous rencontriez un chat. Ou autre solution, vous crachez sur votre chaussure. Ah. C'est pas... c'est tout s'arrange. Ouais, ouais, et j'ai l'air de moins en moins con. Et pain à l'envers, pourquoi est-ce qu'on met jamais le pain à l'envers ? Le pain à l'envers, parce qu'en fait, c'était le pain du bourreau. Et on a même dit, mais ça, je trouve que c'est un peu macho, je devrais pas le dire, que les femmes qui mettaient le pain à l'envers, ça signifiait qu'elles gagnaient leur vie en se mettant dans cette position-là, en se mettant sur le dos. Ah oui, et les miroirs qui se brisent. Alors, les miroirs cassés, ça veut dire que ça libérerait tous les esprits maléfiques qui seraient derrière le miroir. Et en fait, là aussi, il y a un moyen de conjurer le sort. Il faudrait prendre tous les morceaux jusqu'au plus petit, vous ramassez le morceau, vous vous baladez, vous dites tiens, je vais faire une petite promenade en montagne, et le premier lac que vous allez rencontrer sur votre chemin, vous allez jeter tous les morceaux, et là, c'est bon, il ne se passera rien. Il y a plus simple, il faut saigner un bœuf et... Mais vous n'avez pas des superstitions perso ? Quand un film sort, par exemple, vous dites pas si jamais quelqu'un appelle à ce moment-là, c'est bon, il va faire tant d'entrées. C'est comme le louche qui ne sort que le vendredi 13. Non, parce que là, mais pendant un moment, j'avais ça, mais à ce moment-là, on vit plus. C'est-à-dire que c'est un cauchemar. On se dit, bon, si cette personne là-bas traverse, si lui se met le doigt dans le nez, et si je fais quatre pas sans marcher entre les trucs, peut-être que. Et sans attendre le sang d'un bœuf et tout ça. Franchement, à l'italienne. C'est comment l'italienne ? Non, mais je me touche les couilles, quoi. Ah ouais. C'est une très bonne superstition, ça. Pas mal. Ouais, on apprend plein de trucs avec vous. Hein. Non, bah. Et à l'italienne, je ne vais pas l'oublier, celle-là. Alors, on peut continuer. On a beau dire à première vue, tous ces phénomènes étranges nous étonnent, et il n'y a rien de plus facile pour les escrocs que d'abuser de notre naïveté. Mais quand on enquête de manière approfondie, on finit en général par découvrir pas mal de choses. Vous allez voir, Christophe David a retrouvé l'un des hommes qui cherche à démasquer les gourous d'opérette et les faux prophètes. Il s'appelle Bernard Martineau. Mais comment font-ils ? Cette femme, Ninel Koulagina, est capable de déplacer des objets à distance. Kyota, lui, tord les cuillères par la force de la pensée. Quant à Thomas, au Brésil, grâce à sa puissance psychique d'origine extraterrestre, ses mains se transforment en fontaines de parfum. Et pour chaque fourchette de la maison, les heures sont comptées. Ces personnages hauts en couleur, Bernard Martineau les a rencontrés. Pendant plus de 3 ans, il a parcouru le monde pour réaliser une des enquêtes les plus complètes sur le paranormal. Je rencontrais beaucoup de gens qui disaient avoir des pouvoirs ou être capables de faire des choses. Et je me suis dit, j'aimerais aller voir. Résultat, des documents qui mettent en scène des hommes et des femmes, tous plus surprenants les uns que les autres. Et une question, sont-ils vraiment doués des pouvoirs qu'ils revendiquent ? Pour le savoir, cap à l'Est, à la rencontre d'une femme hors norme. Quand je suis parti en Russie, j'avais beaucoup entendu parler de Nina Koulagina, j'avais vu des films sur elle, c'était une star. Le seul problème, c'est qu'elle me disait qu'elle avait trop montré, elle en avait marre de montrer toutes ces choses, qu'elle avait beaucoup donné, qu'elle n'avait plus envie. Donc moi, j'ai fait tout un travail pour essayer de lui dire que moi, j'avais besoin de voir, que je ne pouvais pas me contenter qu'elle me raconte.
Et ce qu'elle raconte, preuve à l'appui avec ses films des années 60, ce sont des expériences incroyables. Expériences comme celle-ci, par exemple. Des variations de champ magnétique qui affolent cette boussole. Boussole qui finit elle-même par se déplacer comme ses allumettes. Après des négociations sans fin avec Ninel Koulagina et les autorités, Bernard Martineau finit par obtenir l'autorisation de réaliser un test sous contrôle scientifique. Tout ça pour observer des capacités qui ne semblent plus faire aucun doute, et pourtant. Et au moment où ça devait se concrétiser, le dernier moment, on devait tourner dans l'Institut d'optique à Leningrad, et j'ai appris que ça coûterait 25 000 dollars. Ma réaction, ça a été une réaction mélangée de fureur, et un point d'interrogation en me disant, est-ce que fondamentalement ça cache pas le fait qu'au pied du mur, il n'y a plus personne. Alors, la boussole se déplaçait-elle grâce à un truc, un aimant ou des fils invisibles à l'image? Impossible de le savoir. Mais l'équipe ne se décourage pas. Elle va tenter sa chance ailleurs, au Japon cette fois-ci. C'est là-bas que vit Kyota. Kyota, ici au premier plan, aurait des pouvoirs psychiques depuis l'enfance. Il peut déplacer des objets à distance, voire faire encore plus fort, comme pendant ses pauses café à son hôtel. Quand il me fait le coup de la cuillère à l'hôtel, là, il est dans son rôle. Là, on est dans les manipulations concrètes. Le résultat est étonnant, mais personne n'a rien pu contrôler. En France, le magicien Gilles Arthur va prouver à Bernard Martineau que tout ça n'est pas très mystérieux. Et là, en salle de montage, je fais venir un illusionniste à qui je montre les images, et qui, entre deux minutes d'inattention, me plie lui aussi une cuillère sous le nez. Solide. Mais là, attends, pose ton doigt sur le manche. Est-ce qu'il continue pas à monter à descendre? Hop, tu peux descendre, là. Bien sûr. Ouais, mais en plus, c'est étonnant, là, parce que... Regarde ce qu'il a fait. Tu vois, là, c'est simplement en posant ton doigt, t'as carrément... Pourtant, elle est bien solide, cette cuillère. Tiens, ça t'en fera une autre. Et pour casser une cuillère en deux, il suffit parfois de préparer un peu le matériel. Une nouvelle fois, la rencontre a été décevante. Et c'est au Brésil que l'équipe du film espère finalement trouver une réponse. Peut-être grâce à Thomas. Ceux qui le connaissent le considèrent comme le prince du paranormal. Avec lui, c'est un festival de phénomènes qui se veulent étranges, mais à des moments soigneusement choisis. Et ce qui m'énervait au bout d'un moment, et ce qui a commencé à me titiller pas mal, c'est le fait que la plupart du temps, ça se passait jamais quand on filmait en continuité. En effet, chaque petit miracle de Thomas commence quand la caméra ne tourne pas ou pendant un changement de bobine. Résultat, impossible de filmer le début des phénomènes. Pourquoi tant de prudence? C'est le tour du billet, véritable clou du spectacle, qui va apporter la réponse. Il m'a mis un billet dans la main, et à un moment donné, au moment où on a coupé, ou au moment où on a coupé pour changer de bobine, subrepticement, il m'a donné un coup dans la main et le billet est tombé. Il l'a ramassé et quand il l'a remis dans ma main, j'ai vu que ce n'était pas le même billet. J'ai senti que ce n'était pas le même billet. On a continué le jeu, on a filmé, il m'a dit qu'il allait amener mon sang dans ce billet. Et il a déplié le billet, effectivement, le billet était plein de sang. Il m'a dit que c'était mon sang. Quand je suis arrivé en salle de montage, par miracle, sur une image, en faisant marcher la table de montage au ralenti, il y avait une image où on voyait le numéro de série de l'ancien billet, celui qu'il avait fait tomber de ma main. Et ce numéro de série n'a vraiment rien à voir avec celui du billet taché de sang. La tricherie ne fait aucun doute. C'est pour ça que j'y suis retourné la deuxième fois pour le piéger cette fois. Deuxième voyage au Brésil et avec une caméra supplémentaire dans les bagages. Les tours de passe-passe de Thomas ne vont pas y résister, pas même sa grande spécialité, l'apparition miraculeuse de parfums au bout des doigts. Sous prétexte d'allumer une cigarette, Thomas faisait des mouvements très naturels comme « Où est mon briquet ?» et hop, il plongeait une main dans sa poche et il gardait sa main fermée. Et on a compris qu'en fait, il devait avoir une ampoule ou une petite capsule dans la main et qu'ensuite, il l'a gardé pendant un grand moment dans la main, ce qui fait que personne ne pouvait faire un rapprochement entre le fait qu'il avait mis les mains dans ses poches et puis ensuite le moment où ça se passait. Donc il laissait passer 2, 3, 4 minutes et au bout de 4 minutes, crac, il pressait l'ampoule dans sa main, le parfum se mettait à suinter. Ceux qui étaient annoncés comme les plus grands paranormaux de la planète n'ont pas tenu leurs promesses. Alors quelle conclusion tirer de ces années d'enquête aux quatre coins du monde ?
ce que je crois pouvoir dire après 3 ans d'enquête, ce qui est un minimum pour ne pas dire trop de bêtises sur un sujet pareil, c'est que plus c'est gros, moins ça marche. Moins ça a de chances d'être vrai. Mais est-ce seulement possible ? C'est toute la question. Pas mal. Pourtant, ça le fait bien, le japonais, la cuillère. Ça poétique. Ah ouais, bah, y a plein d'histoires, quoi. Ah, on a envie de rêver. Ouais, ouais, c'est bien. Mais j'aime bien les magiciens. J'aime pas quand ils me donnent le truc. Ouais. Mais bon, là où c'est dérangeant, c'est quand le type vous fait croire que le parfum coule de ses doigts. Et là où ça devient un charlatan, on peut se mettre à créer une secte aussi. Oui, oui, ouais, tout à fait. Hein, c'est ça qui est dérangeant. Ouais, sinon, les magiciens, c'est vachement bien. Non, bien sûr. Ouais. Non, mais c'est marrant de le déplacer sur le terrain quotidien. Quand ça part dans les sectes, c'est moins rigolo, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais sinon, les trucs, il faut jamais les connaître, en fait. Non. Quoique, professeur Brock, qu'est-ce que vous pouvez nous montrer d'autre ? Il y a des moyens un petit peu plus sérieux, disons, un petit peu plus sophistiqués. Si vous voulez faire quelque chose qui fasse vraiment, vraiment médium, vous prenez un fil de fer, par exemple, comme ceci, ouais. Et puis donc vous pouvez le plier, le tordre, hein, et vous le mettez dans la main, et puis vous vous concentrez. Alors, je ne vais pas faire le médium ici, hein, il faudrait se concentrer un bon petit moment, et puis le fer commence à se déformer, et vous dites simplement que c'est votre pouvoir qui fait ça. En réalité, ce n'est pas un fil de fer, c'est ce qu'on appelle un alliage à métal de forme. Ici, c'est du nitinol, nickel plus titane. C'est un métal donc, que vous achetez à une société qui le fabrique et vous demandez une température critique. Par exemple, ici, j'ai demandé 25 degrés. Ça veut dire qu'en dessous de 25 degrés, vous faites ce que vous voulez comme forme. Au-dessus de 25 degrés, c'est une forme que vous avez imposée. C'est les métaux à mémoire de forme, hein, c'est ça ? Il a de la mémoire. Il a de la mémoire. Z comme zététique, évidemment, quoi. Ah, d'accord. Donc, vous pouvez attraper tous les gogos de la Terre avec ça. Oui, alors bon, évidemment, ça peut servir, ça coûte assez cher hein, comme métal. Donc, vous faites fabriquer une cuillère, par exemple, en nitinol, et puis ensuite, vous gardez votre main au-dessus sans la toucher. Là, il n'y a vraiment pas besoin de la toucher. Rien qu'avec la chaleur de la main, la cuillère va commencer à se déformer. Et la précession ? Alors, la précession, c'est ce que fait une toupie. Par exemple, quand on lance une toupie, la toupie, elle tourne sur son axe, et puis vous voyez qu'en plus, elle tourne également comme ceci. Ici, c'est donc un simple bout de bois, hein, sculpté, absolument pas truqué, rien. Vous le prenez, vous le faites tourner. Il tourne, ok. Il tourne, il n'y a aucun doute. Vous le prenez, vous vous concentrez bien, et vous lui demandez de tourner en sens inverse. Ah ouais. Ça, je croyais que c'était magique. Ce qui, normalement, pour un physicien, est quand même assez étonnant, parce que quand un objet tourne, très difficile. D'accord. Et alors, l'explication ? C'est simplement... Il suffit de rien faire, il suffit simplement... L'objet, si vous voulez, c'est la sculpture de l'objet fait que vous avez une forme ici qui paraît symétrique, mais le fond n'est pas symétrique. Alors quand vous lancez comme ça, ça va faire un petit mouvement de précession interne du centre de gravité. Dans un sens, il va tourner très bien. Dans l'autre sens, quand il va tourner, vous allez voir, il va se mettre à pivoter comme ceci, et c'est ça qui va lui faire inverser le mouvement. Vous voyez, il bascule, et le mouvement... On apprend plein de choses, hein. Ah ouais, j'adore. S'il vous plaît, vous voulez qu'on continue ? Oui, moi je suis prêt. Hein. Alors Annabelle a rejoint Monsieur Bagadi, Antoine Bagadi, qui est biostatisticien à l'Institut de neurosciences, rattaché au CNRS, donc quelqu'un de très sérieux. Et vous voyez, Monsieur Bagadi est en assez mauvaise position puisqu'il est allongé sur une planche à clous. Ouais, je les ai tâtés, hein, ils sont vrais. Hein. Ah oui, c'est des vrais clous, on est allé voir. Vrai. Vous avez des briques donc sur le ventre, c'est ça, Monsieur Bagadi ? Voilà, c'est exact. Vous me recevez, ça vous pique un peu dans le dos, non ? Un petit peu, oui, mais enfin ça va. C'est comme les fakirs, quoi. Et alors là, qu'est-ce qu'il va faire de résistant ? Alors en fait, bon, il va taper sur la colonne de parpaing. Et là, on va démontrer qu'il y a un phénomène de compression et d'élongation à la base. Déplacement du centre de gravité, qui s'appelle la déflexion. Et ce qui va permettre de casser la colonne de parpaing et l'onde de choc arrivera à 0 mètre par seconde au niveau des abdominaux. Et si ça ne marche pas, vous êtes mort ? Eh ben voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire tout de suite. Bon, mais on regarde avec intérêt. C'est prêt. Prêt. Allez, go. Et je ne suis pas mort. Et vous n'êtes pas mort. Attendez. Mais attendez, expliquez-moi. Tout le monde peut faire ça. Vous n'êtes pas fakir, vous n'êtes pas entraîné pour ça. C'est juste une démonstration que si j'y vais, enfin, je n'ai pas du tout envie de le faire. Bon, certes, c'est dangereux, mais tout le monde peut le faire.
Donc en fait, les fakirs qu'on voit en Inde sur les tapis de clous, qui ne sont pas forcément... C'est-à-dire que, en fait, bon, vu la densité du nombre de clous au centimètre carré, on ne pourra jamais s'empaler sur la planche. Par contre, vous laissez trois clous, il est évident que là, on est carrément transpercé. Alors on va en faire une autre, vous allez voir. Qu'est-ce que vous allez lui faire à Annabelle? Je vous avoue que ce n'est pas le meilleur, la meilleure partie de l'émission. Salut Annabelle, bonne chance. Hein. Alors, bon, je suis désolé, je n'ai jamais frappé une femme de ma vie, ça va être la première fois. Je n'ai jamais été frappée. J'espère ne pas lui faire trop mal. Alors, donc, je me mets. Voilà, vous vous mettez ainsi, vous mettez votre jambe par là, parce que je vais taper sur votre cuisse. Je peux fermer les yeux? Non. Non, vous inquiétez pas. Je mets les mains où? Voilà, vous mettez les mains derrière le dos, ça sera encore mieux. Voilà. Et donc, là... Vous allez la frapper? Je vais la frapper, donc là... Allons-y, on parlera après. En réalité, sa cuisse va servir de support... Sa cuisse va servir de support pour le bâton. Et c'est ce qui va permettre justement de casser le bâton. Comme vous pouvez le constater, je suis à peu près à 2/3 de distance. Si je frappais à ce niveau-là, il est évident que le morceau de bois ne casserait pas. Et il aurait très mal. Alors je vais essayer de ne pas lui faire mal, n'est-ce pas? Moi non plus, hein, parce que je suis dans l'axe. Non, vous inquiétez pas. Ah, ah punaise. Non, c'est vrai. Je suis désolé, serrez-moi la main. L'ambulance est garée à l'extérieur du studio, Annabelle. Il y a plus de peur, en fait. Heureusement qu'on n'a pas répété, parce que je ne sais pas si je l'aurais refait après, mais je suis contente de l'avoir fait. Vous l'avez fait, bravo. Merci beaucoup. Non, mais ça fait un bleu, à blague à part. Bravo. Ça fait mal non, ou pas c'est, non, mais ça fait. Disons que ça ne fait pas spécialement mal. Enfin, ça fait un petit peu mal, quoi. Mais je pense que l'anticipation de la peur et de ce qui peut se passer fait encore plus mal. C'est comme les piqûres. Voilà, c'est ça. Mais c'est... Qu'est-ce que vous faites d'autre, sinon de rigolo, monsieur Magadi? Là, je vais faire comme font certains gourous qui manipulent des braises, en fait, qui prétendent éteindre des braises dans leurs mains. Donc, je vais faire exactement la même chose, mais bien sûr, sans incanter le home, et sans implorer un dieu quelconque. Bien, alors voilà, je choisis une braise, n'est-ce pas? Ce sont des vraies braises? Bah, oui, vas-y voir. Mais moi, je me souviens... Vas-y, mets ta main. Vous vous souvenez, Alex Braise? Oui. Tout à fait. Ce sont des vraies braises. Je prends une braise dans la main. Attendez, il faudrait... Voilà. Vous en choisissez une? Bah, je l'ai prise au hasard, comme ça. Mais ça vous crame pas là? C'est-à-dire que bon, la durée du contact n'est pas suffisante pour qu'il y ait une brûlure, d'une part. D'autre part, le rayonnement thermique est complètement inhibé, je dirais, ou presque inhibé, par la cendre. D'accord? Et voilà. Alors pour tous les enfants qui regardent la télévision, oui, ne faites pas ça. Surtout ne vous amusez pas à faire ça. Voici la braise. Et vous l'avez éteinte? Quasiment éteinte. Vous êtes un peu l'homme qui veut prouver que tout n'est que supercherie, ou à peu près. À peu près. En fait, j'aime beaucoup expérimenter sur ma personne, mais en démontrant, disons, ce que démontre la science. C'est la preuve. Bravo, M. Magadi. Félicitations. Merci. Écoutez, M. Brock, je vais vous remercier d'être venu nous voir. Je voudrais aussi conseiller la lecture de ce livre qui s'appelle « Au cœur de l'extraordinaire ». C'est tout pour tout savoir sur la zététique, donc, et c'est paru aux éditions de l'Horizon Chimérique. Si on cherche les coordonnées de ce livre, bien vous nous écrivez au service des téléspectateurs, bien entendu, et nous vous donnerons les coordonnées de ce livre que je vous offre. Vous merci. Allez le lire ce soir, oui. Vous allez l'apprendre par cœur. Hein. Zététique. Hein, en tout cas, merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci à vous, professeur. Alors, je vous propose maintenant de changer complètement d'atmosphère et de lieu. Des centaines de disparus et d'épaves échouées sur le fond marin, des rumeurs toujours persistantes, et en fait, depuis 50 ans, on parle d'un mystérieux triangle des Bermudes. Et c'est la quadrature du cercle. On aura tout dit sur ce bout de mer qui sépare la Floride de Porto Rico. Alors, y a-t-il réellement un mystère du triangle des Bermudes? Réponse avec Christophe David. Que se passe-t-il vraiment dans cette zone de 1 million de kilomètres carrés, grande comme deux fois la France? Tout le monde connaît l'endroit, c'est le triangle des Bermudes ou encore le triangle du diable. Pour de nombreux marins et nombreux pilotes, c'est un lieu maudit. Pourtant, avant 1945, le triangle des Bermudes ne faisait peur à personne pour une bonne raison. Il n'avait pas encore été inventé. Alors pourquoi cette peur? À cause d'une histoire étrange. Le mythe
fondateur du Triangle des Bermudes, c'est le vol 19. Ce sont 5 Grumman Avengers, c'est-à-dire ce sont les bombardiers torpilleurs, qui partent de la base de Fort Lauderdale, donc près de Miami, en Floride, le 5 décembre 1945. 14 hommes à bord, et ils disparaissent au cours de cette mission de routine. Voilà, on ne les a jamais retrouvés, on n'a jamais retrouvé leur corps, on n'a jamais retrouvé de débris de l'appareil, rien. Et pourtant, le vol avait commencé normalement ce 5 décembre 1945. À 14h précises, des 5 appareils décollent comme prévu. Mais ils ne reviendront jamais. C'est le début du mystère. Pourquoi ? D'abord, à cause d'une autre disparition, celle d'un appareil comme celui-ci, parti à la recherche de l'escadrille perdue et qui, lui non plus, n'a jamais été retrouvé. Plus grave encore, pour éviter d'être mis en cause, l'armée américaine déclare dans un premier temps que ces disparitions sont inexplicables. Résultat, les rumeurs les plus folles commencent à circuler. Alors on prétend par exemple qu'il y a un cristal géant qui gît au fond donc d'une fosse, parce qu'il y a des fosses abyssales dans la région. Un cristal géant qui serait un reliquat de l'Atlantide, le continent perdu de Platon. On dit qu'il y a, il y aurait des trous noirs, il y aurait une faille spatio-temporelle, il y aurait des ovnis également qui viendraient cueillir les disparus. Mais une chose est sûre, jamais aucun extraterrestre n'a été vu dans la zone du Triangle des Bermudes. Depuis, d'autres théories moins loufoques ont fait la une, comme par exemple l'existence de lames de fond particulièrement puissantes ou encore des tempêtes aussi soudaines que violentes. Ces phénomènes existent, mais pas seulement dans le Triangle des Bermudes, et surtout, ils n'y sont pas plus fréquents. Dernière hypothèse en date, les gisements de gaz naturel. De temps en temps, l'écorce terrestre céderait sous la pression et laisserait remonter violemment le gaz jusqu'à la surface. Et pour un navire, ce serait la catastrophe, car le dégagement de gaz provoquerait des tourbillons et des courants très violents à la surface. Le bateau risquerait alors d'embarquer de l'eau et de couler. Regardez par exemple cette plateforme pétrolière au large du Vietnam. La violence des tourbillons est sur le point de la faire sombrer. Alors, l'hypothèse du gaz naturel est-elle la bonne ? Pas si sûr. En effet, comment expliquer avec cette théorie les disparitions d'avions ? Par des turbulences et des trous d'air énormes qui leur seraient fatales ? C'est peu probable. Mais alors, que s'est-il passé le 5 décembre 1945 pendant le vol de l'escadrille 19 ? En fait, la tragédie n'avait rien de surnaturel. Il y a eu un rapport de l'aéronavale américaine qui est tout à fait clair et édifiant. On sait qu'ils se sont perdus parce que le pilote de l'escadrille, qui s'appelait Charles Taylor, s'est simplement trompé de route. Et donc ils se sont abîmés parce qu'ils n'avaient plus de carburant. Ils ont tenté un amérissage en catastrophe. Et certainement le Gulfstream a contribué à répartir les débris et on ne les a jamais retrouvés. Après leur amérissage forcé, sans doute très comparable à celui-ci, les avions ont donc disparu corps et biens. Ils se trouvaient alors à moins de 10 km des côtes. Mais où exactement, personne ne le sait. Voilà pourquoi, depuis plus de 50 ans, les 5 appareils gisent au fond de l'Atlantique sans avoir été retrouvés, à la différence de celui-ci. Quant à l'avion parti à la recherche de l'escadrille 19, il n'a pas été kidnappé par les extraterrestres. Il s'est juste abîmé dans l'océan. Et les épaves mystérieuses, ce sont le plus souvent des bateaux au service de trafiquants de drogue, très actifs dans la région. Pour eux, pas question de signaler les avaries aux autorités. Mieux vaut couler discrètement. Il y a donc bel et bien des naufrages et des accidents dans la zone du Triangle des Bermudes. Mais statistiquement, pas plus qu'ailleurs. Il faut savoir qu'il y a 150 000 navires chaque année qui sont sur cette zone, qu'il y a des milliers d'avions qui ne disparaissent pas. C'est une zone tout à fait normale. Il y a eu plusieurs enquêtes qui ont été faites, en particulier par la Lloyd's, qui est une compagnie d'assurance peut-être la plus célèbre au monde, et qui dit le Triangle des Bermudes n'existe pas. Alors, existe-t-il ou n'existe-t-il pas ? Ça y est, maintenant je ne crois plus en rien avec votre... Mais si, attendez. Non mais je suis partagé, en même temps j'ai envie d'y croire, et en même temps je me dis quand même, si on le localise vraiment c'est fait. Aussi précisément, on devrait... Enfin, non, mais il y a passe. Plein de faits troublants. Mais je me demande si on n'a pas envie de tous continuer à y croire, en fait. C'est pas ça ? Ben si. C'est surtout qu'en plus, si on calcule, ça fait 666. Le triangle des Bermudes. Non, c'est pas vrai. Oui, là, je dis n'importe quoi. Il y a un adage qui dit « on croit que ce qu'on voit, en fait, on voit que ce qu'on croit aussi hein. ». C'est peut-être bien ça. Alors passons maintenant aux ovnis. Chapitre important. Les objets volants non identifiés, comme leur nom l'indique, les ovnis restent un mystère. Et tant qu'on n'aura pas vous allez de expédier, point... Vous allez expédier les ovnis en 7 minutes. Pas du vous tout. Allez nous dire en 7 minutes que ça n'existe pas. Vous allez voir, Alain, tant qu'on n'aura pas de preuves, on peut tout imaginer sur les extraterrestres et leurs soucoupes volantes, justement. Bon, d'accord. Seulement depuis quelques années, avec la multiplication des caméscopes, des images très étonnantes nous arrivent du monde entier, des documents qu'on n'arrive pas ou très mal à décrypter.
Comment interpréter ces images d'OVNI? Est-ce qu'on a des raisons sérieuses d'y croire? Regardez ce document. Gulf Breeze, 1987, en Floride. Un photographe immortalise l'apparition d'un objet volant non identifié. Cet incroyable cliché fait la une de la presse américaine. Trucage, pas si simple. Un vidéaste amateur a enregistré le même phénomène. Les experts sont troublés. Pour moi, ces images étaient très impressionnantes. La forme de l'objet, sa structure, sa façon d'évoluer dans le ciel, ça ne ressemblait pas à un appareil fabriqué par les humains. Redfish Point, toujours en Floride. Caméra au point, un témoin aperçoit un engin métallique immobile au-dessus de la mer qui semble tourner sur lui-même. C'est vrai, ça m'a vraiment fait peur. Je n'avais jamais rien vu de tel voler dans le ciel. D'abord, je me suis dit que c'était certainement un appareil militaire, mais après réflexion, j'ai réalisé que c'était sans doute une sorte de vaisseau extraterrestre. Un vaisseau extraterrestre ou un engin expérimental? En tout cas, le mode de propulsion de cet objet reste complètement mystérieux. Nous ne sommes pas capables de fabriquer de tels engins, c'est clair. Pour faire décoller et rendre un véhicule de la taille d'une Clio stationnaire, il faudrait au moins la puissance d'une centrale nucléaire. Et comment expliquer la trajectoire de cette boule métallique qui traverse l'écran à une vitesse phénoménale? D'abord stationnaire, elle disparaît en une fraction de seconde. Une prouesse délicate à accomplir pour n'importe quel avion, même le plus perfectionné. À ce jour, il n'y a aucune explication. Sinon, on ne ferait plus voler les pilotes de chasse à bord d'avions supersoniques. On les ferait voler sur des soucoupes volantes, ça me semble évident. Ces apparitions observées depuis une dizaine d'années restent inexpliquées. Pourtant, ces images ont un point commun. Elles ont toutes été tournées près de zones militaires. Cette lueur verte, par exemple, a été filmée par une équipe de télévision sur la base 51 au Nevada. Un bout de désert grand comme la Suisse où se déroulent les essais militaires les plus secrets et les plus ambitieux des États-Unis. Pas étonnant qu'à la nuit tombée, on voit ici plus d'OVNI que n'importe où ailleurs. Les témoins d'OVNI sont pour beaucoup des témoins de bonne foi au sens où ils relatent tout simplement ce qu'ils ont vu et simplement c'est des choses qu'ils ne connaissent pas. Alors dans le cas des choses militaires, ils peuvent tomber sur un drone, sur un système missile moyenne portée, sur un système d'hélicoptère très sophistiqué qui va avoir une forme tout à fait inattendue pour eux et qui sera réellement un OVNI pour eux mais qui n'en sera plus un pour l'expert qui va étudier le dossier ensuite. Cet engin, par exemple, a l'air d'un OVNI. En fait, c'est un B-2, un bombardier furtif. Mais les images ne sont pas toujours si faciles à décrypter. Phoenix, en 1997. Pendant de longues minutes, des milliers de témoins aperçoivent d'étranges lumières survoler la ville. Là encore, une base de l'US Air Force est située à quelques kilomètres. Sauf que cette fois, l'observation n'a pas eu lieu dans une zone isolée, mais en pleine ville. L'US Air Force n'a absolument aucun intérêt à survoler une grande ville de nuit par des chasseurs-bombardiers, lancer des leurres infrarouges au-dessus d'une zone habitée. Ça ne rime absolument à rien. L'objet, pourtant, ne s'est pas contenté de survoler Phoenix, mais tout l'état de l'Arizona. Vous savez, cet objet n'est vraiment pas passé inaperçu. Il a traversé en diagonale tout l'état de l'Arizona. Des milliers de témoins l'ont vu, plusieurs vidéos amateurs l'ont filmé. Il y a eu des centaines de coups de fil aux télévisions locales et à la police. C'était vraiment un événement à grande échelle. Une aile volante, Pathfinder, tout juste sortie des ateliers de l'US Air Force, est-elle capable de réaliser un tel exploit? Les spécialistes en imagerie ont planché sur les dizaines de vidéos amateurs. Leurs conclusions sont sans appel. Les dimensions de cet appareil dépassent l'imagination. Nous avons recréé le paysage en trois dimensions. On a pu faire des simulations de cet objet en l'observant sous tous les angles. Et on en est arrivé à la conclusion qu'il mesure d'un bout à l'autre près de 2 km. Un appareil de 2 km d'envergure qui reste suspendu dans le ciel pendant de longues minutes en vol stationnaire, sans faire le moindre bruit, l'apparition a fait sensation. Mais aucun argument décisif n'a été retenu. Par élimination, on peut évidemment montrer que ce n'est pas un avion ou des avions. On peut montrer que ce ne sont pas des fusées éclairantes. On peut montrer que ce ne sont pas des leurres lâchés par des avions de chasse, comme ça a été prétendu pendant un certain temps. Donc ça reste bien un objet qui vole, non identifié. Mexico, 1991. Une des éclipses les plus impressionnantes du siècle. Tous les habitants ont les yeux rivés sur le ciel. Pour ce rendez-vous de la Lune avec le Soleil, les caméras vidéo sont sorties. Et là, surprise, des objets volants non identifiés font leur entrée.
J'étais tellement excité à l'idée de montrer ce film à mes amis. J'avais vu des ovnis, vous vous rendez compte? Cet homme n'est pas le seul à avoir filmé cet ovni. Quatre vidéastes ont tourné exactement les mêmes images alors qu'ils ne se trouvaient pas dans la même ville. Alors, lors d'une éclipse, il est certain qu'on est dans des conditions tout à fait exceptionnelles. Alors d'abord parce que l'éclairage est très différent. Lors d'une éclipse notamment totale, tout d'un coup le ciel s'obscurcit. Ça ressemble un peu à un ciel de pleine lune. Oui, il y a une grande émotion ambiante et en plus cet aspect sombre du ciel permet de voir des choses qu'on ne voit jamais, comme des protubérances solaires et aussi des étoiles, des planètes. Des planètes, certains spécialistes sont même persuadés qu'il s'agit de Saturne. Mais en regardant attentivement cette image, l'objet semble laisser derrière lui une traînée de fumée. Ce responsable de l'armée américaine a donc une autre hypothèse. C'est sûr, il y a quelque chose là. Et à partir du moment où on exclut l'hypothèse d'un ovni qui viendrait d'une autre planète, moi je me suis dit que c'est peut-être un engin pour surveiller les trafiquants de drogue qui vont en Floride. Qu'il en soit, le Mexique est devenu une destination privilégiée pour apercevoir des ovnis. La même année, lors de la fête de l'indépendance, pendant le défilé aérien, un objet sphérique suit l'escadrille à distance. Deux ans plus tard, à la même occasion, l'objet évolue cette fois au beau milieu des hélicoptères. Une énigme qui n'a jamais été résolue. Cet objet mexicain pose un problème de par son comportement. À un moment, il va traverser ce champ d'hélicoptères d'une manière très étrange aussi, sans perturbation, sans faire de bruit. Voilà, le comportement est inexplicable. Aux premières loges de ces phénomènes inexplicables, les pilotes. 1 sur 10 verraient un ovni au cours de sa carrière. C'est le cas de Jean-Charles Duboc. Il y a 5 ans, ce commandant de bord aurait croisé la route d'un ovni au-dessus de la région parisienne. Le steward qui était dans le poste de pilotage a vu quelque chose qui ressemblait à un ballon météorologique qui nous a coupé la route. La copilote l'a vu aussi, j'étais le dernier à le voir, et moi j'ai pas du tout vu ça, j'ai vu ce que j'ai identifié comme une énorme lentille, rouge sombre avec des bords flous. Et nous avions signalé au contrôle que nous n'avions pas fumé la moquette du 320, parce que c'était un peu ahurissant. Encore plus troublant, un centre de détection militaire enregistre une piste radar pendant 50 secondes qui correspond au témoignage du commandant Duboc. Pour lui, c'est clair, c'est une manifestation extraterrestre. Moi j'ai pris ça comme une démonstration de puissance technologique d'une civilisation extraterrestre. Eh oui, les ovnis, ça vous a un petit air d'indéfinissable qui prête aux fantasmes les plus fous. De là à s'imaginer que ces vaisseaux abritent des extraterrestres venus d'une autre galaxie, il n'y a qu'un pas, pour l'instant infranchissable. Une chose est sûre, ces films n'ont pas été truqués, mais ils ne prouvent rien. Tant que la science n'élucidera pas ces mystères, ces ovnis resteront des objets volants non identifiés. Je retire ce que j'ai dit. Vous voyez ? Non, je retire ce que j'ai dit. Il reste encore des tas d'interrogations. Hein. Ah oui, d'accord. Alors justement, je vous présente Jean-Jacques Velasco. Merci d'être avec nous, monsieur. Bonsoir. Vous êtes un peu le Fox Mulder français, le du chauvigny, si je puis dire, de la X-Files. Celle-là. Oui, enfin, vous êtes ingénieur au CNES. Tout à fait. Vous êtes spécialisé dans tous les cas d'OVNI. Vous en avez recensé 3000, je crois, à ce jour. J'aimerais bien savoir d'abord comment vous travaillez. Eh bien, nous travaillons d'abord parce que le CNES est le Centre National d'Études Spatiales. Donc, c'est un établissement scientifique, technique, qui a pour mission de mettre en œuvre la politique spatiale française, c'est-à-dire de réaliser la fusée Ariane, de réaliser les satellites. Et donc nous étudions en fait tous les phénomènes qui sont rapportés par des observateurs au sol ou, comme on l'a vu précédemment, auprès de pilotes. Alors, sur les 3000 cas que vous avez étudiés, M. Velasco, est-ce qu'il y a vraiment un ou deux ou trois cas troublants? Vraiment oui, troublant. Absolument. C'est véritablement un très gros problème dans la mesure où aujourd'hui, sur l'ensemble des cas que nous avons examinés, on peut dire que pratiquement quelques pourcents d'objets qui ont été observés et mesurés résistent à l'analyse et ne sont pas des phénomènes pour lesquels nous avons d'explications en relation avec nos connaissances technologique. Par exemple, la vitesse des objets qui ont été mesurés par des radars, parfois est tout à fait impressionnante, de l'ordre de plus de 10 000 km/h pour certains objets. Ah bon? Absolument. Vous qui travaillez là-dessus, qui avez étudié des milliers et des milliers de cas, est-ce que vous y croyez ou pas? Alors, mon travail n'est pas de croire quelque chose, mon travail est, comme l'a tout à l'heure démontré M. Broche, d'analyser des faits avec la méthode scientifique. Eh bien, aujourd'hui, nous pouvons constater qu'il existe dans notre environnement aérospatial un certain nombre d'objets de nature physique qui évoluent
et pour lesquels nous n'avons pas le contrôle sur ces manifestations. Donc vous êtes en train de me dire qu'il y a bien un doute. Mais il y a bien un doute, et aujourd'hui on peut dire très clairement que le phénomène OVNI est une réalité sur le plan physique. Le problème c'est qu'on ne connaît pas leur nature précisément, et on ne connaît pas leur origine. Et c'est vrai que la description de l'ensemble des caractéristiques d'un certain nombre de ces objets laisse perplexe. Mais c'est peut-être pas parce qu'ils sont inexpliqués qu'ils sont inexplicables. Peut-être que la science à l'heure actuelle n'a pas les moyens d'apporter des réponses. Il ne faudrait peut-être pas aller mais trop vite. Prenons l'exemple. On se dit, est-ce que la science peut répondre par exemple au déplacement d'un objet silencieux dans le ciel? Eh bien aujourd'hui, je peux vous dire oui. Dans la mesure où des études qui ont été faites par des physiciens sur ce qu'on appelle, avec un mot savant, la magnéto-hydrodynamique, permet par exemple de déplacer dans des liquides ou dans une atmosphère des objets à des vitesses supersoniques en évitant le bang. Et à partir de ce moment-là, on peut avoir des correspondances avec les fameux ovnis. Julie, vous avez des documents à nous montrer. J'aimerais bien que M. Velasco réagisse d'ailleurs sur ces images. J'aimerais profiter des lumières de notre expert pour lui montrer deux documents. Le premier a été tourné au Mexique. Et donc justement, on est là encore face à un comportement d'objet un peu étrange, c'est-à-dire que l'objet rentre et sort des nuages, donc on ne peut pas dire c'est un ballon qui se déplace à l'aide du vent. Oui, on le voit bien rentrer et sortir, oui. Donc est-ce que vous auriez une explication? Alors sur ce genre de documents, je veux dire d'une façon très générale que pour moi, en ce qui concerne les documents photographiques ou les documents films, qu'ils soient vidéo ou films, ça ne constitue jamais une preuve. Je n'ai pas suffisamment d'éléments dans un cas comme celui-là pour pouvoir apporter une réponse sur la nature de l'événement qu'il y a. Parce que ça peut très bien être quelque chose qui a été fabriqué. Vous avez jamais monté de canulars comme ça, vous? Tel que je vous connais. Si, non, j'avais découpé quand j'étais petit des photos d'ovnis dans des films de science-fiction. J'avais demandé à mon frère de les agrandir pour faire croire à mes potes que je les avais prises moi, quoi. Donc oui. C'est des photos super nettes et il y en avait une où ils détruisaient des immeubles genre à New York que j'avais pas mis dans la sélection parce que je trouvais que c'était quand même beaucoup. Disant, je suis arrivé juste quand ils détruisaient New York, donc ça je trouvais que c'était beaucoup. Mais ça a marché? Il faut que ça soit un petit peu flou, un peu image volée, sinon ça marche pas. Mes amis se sont moqués de moi. Alors, je propose de rester dans le domaine des ovnis. En fait, dans leur quasi-totalité, les phénomènes qui sont observés dans le ciel ne sont pas des ovnis, mais des objets parfaitement identifiés, que ce soit des avions ultramodernes, des planètes ou encore des satellites. Et puis, il y a aussi les petits malins qui truquent des images et qui nous font marcher. Alors, comment distinguer un faux ovni d'un vrai? Voici quelques éléments de réponse. Les fêtes de la Mirabelle à Metz le 7 septembre 1997. Comme chaque année, un feu d'artifice illumine la cathédrale. Monsieur et Madame Rapp profitent du spectacle sur leur balcon quand tout à coup... Oh, c'est beau. Regarde, wow. Je déconne pas, ça a une forme octogonale. Et deux ans après, ils n'en reviennent toujours pas. Notre attention a été attirée par un objet qui était en suspension dans le ciel. Et c'est en voyant donc la forme de cet objet qui ressemblait vraiment à un ovni qu'on s'est dit, ouais, mais c'est extraordinaire, on est en train de filmer un événement rarissime. Et là, on était très, très, très chaud quoi, pour ce soir-là. Aussitôt, Gabriel et Patrick Rapp alertent la presse. Toute la région est en émoi. Même les gendarmes prennent cette affaire très au sérieux. On ne doit pas être un briseur de rêves. C'est vrai qu'au départ, on a pris ça à cœur, comme eux. Moi-même, j'ai constaté, bien évidemment, avec mes gendarmes, le film. Sans parler de phénomène surnaturel, on a constaté qu'il s'agissait d'un phénomène. Quand on a récupéré cette cassette de Metz, on a été complètement stupéfiés. Parce que d'abord, elle a été récupérée dans des conditions idéales, et prise dans des conditions idéales par les témoins. Et ensuite, elle montre un phénomène extrêmement troublant. Effectivement, ça ressemble à un disque métallique suspendu dans le ciel. Bref, à une soucoupe volante. Après avoir repris un peu mes esprits, je plaisantais en disant, voilà, les extraterrestres ont envie de voir un peu d'artifice gratuit. Donc ils se sont déplacés à Metz pour voir ce qui s'y passait. Mais malheureusement, ce n'était pas une visite express des extraterrestres. Alors on a été presque déçus quand on a su ce que c'était, parce qu'effectivement l'explication était abominablement prosaïque, s'agissant de la Lune. En faisant une carte du ciel précise, vue de Metz à cette heure-là, à cet endroit-là, et dans l'axe des...
de ce qu'ont filmé les témoins, et il n'y a aucun doute sur le fait que c'était la Lune. D'où vient alors cette méprise? D'un phénomène appelé parhélie, un nuage de cristaux en suspension qui déforme l'image de la Lune. Et la Lune ne joue pas des tours aux terriens. Regardez cette photo satellite. La grosse boule, c'est la Terre. Mais quel est cet objet carré en bas à droite? Un vaisseau intersidéral? Pas du tout. Après agrandissement, c'est encore la Lune. Autre mystère, cette photo où cette fois, il n'y a pas une, mais deux Lunes. On a cherché à expliquer cette anomalie, on a fini par trouver, c'est un reflet dans l'optique de l'appareil photo qui a provoqué cet artefact, cette Lune fantomatique qui est en bas. Et les phénomènes trompeurs sont légion. Ces soucoupes volantes sont en fait des nuages qu'on appelle lenticulaires. Voilà un autre cas de confusion, ce sont tout simplement des taches qui se sont glissées sur le négatif au moment du développement. Illusion d'optique, erreur d'interprétation et parfois trucage, grâce au miracle de la technologie, les supercheries sont monnaie courante. Là par exemple, je vais multiplier le nombre de lunes. Vous voyez, je prends cette lune ici, je la découpe. J'en fais une copie et je vais la coller quelque part. Et la voilà qui apparaît ici. Et si ça ne me plaît pas de la mettre à cet endroit-là, je vais la mettre là ou là. J'ai un cliché dans lequel il y a trois lunes. De nos jours, il est extrêmement facile de truquer une image, de faire apparaître des ovnis ou toutes sortes de choses. Les moyens d'informatique sont tellement évolués, c'est tellement accessible à tout le monde qu'une image de pratiquement n'importe quoi peut être fabriquée à moindre frais. Maintenant que vous voilà prévenu, exercez vos yeux avertis sur ces images. Elles ont été tournées en Suisse dans les années 70. Des soucoupes volantes aux reflets métalliques planent dangereusement sur les alpages. Cet homme a vraiment de la chance. C'est lui qui a eu le privilège d'assister à toutes ces apparitions venues d'une autre galaxie. Comme c'est bizarre, comme c'est étrange. Et quelle coïncidence, me direz-vous. Et vous aurez raison, pas une de ces images ne résiste à l'analyse des experts. Ce film est riche en éléments qui permettent de dire qu'il est truqué, en particulier les mouvements qui démontrent que c'est un petit objet suspendu à un fil quelque part. La preuve, plus on accélère le film, plus c'est net. L'OVNI décrit des mouvements pendulaires comme s'il était accroché à un fil. J'ai essayé de reproduire, par une technologie très élaborée, quelque chose qui illustre ça. Voici le genre de mouvement qu'on observe, c'est-à-dire un mouvement pendulaire d'une part, et d'autre part, de temps en temps, des petites descentes, des petites montées. Ça prouve que le fil par un treuil ou à la main est remonté, redescendu. Ces ovnis ne sont donc que des maquettes, reste à créer une illusion d'optique pour qu'elles s'intègrent parfaitement dans le paysage. Une maquette d'arbre ou une branche placée juste devant la caméra crée automatiquement une perspective. On a l'impression que les ovnis sont au-dessus des montagnes, en arrière-plan. Et n'allez pas croire que faire apparaître et disparaître un ovni requiert des pouvoirs extraterrestres. La preuve, même nous, on peut le faire. Un ovni qui disparaît d'un endroit et qui apparaît à l'autre, ça peut s'expliquer par des techniques extrêmement simples. Je vais vous montrer ça. Vous pensez que je suis là? Eh bien non, je suis là. Un trucage à la portée de tous. Vous pensez que je suis là? On ne vous a tout simplement pas montré cette partie-là. Eh bien non, je suis là. Et comme on est vraiment très fort, nous désintégrons notre expert. Ces trucages ont l'air bas de gamme. Ils ont pourtant dupé des milliers de personnes. Grâce à ses supercheries, Billy Meyer est devenu le gourou d'une secte. Ses adeptes sont convaincus qu'il a été choisi par les extraterrestres pour les sauver de l'apocalypse. Et pourtant, Billy Meyer se défend d'être un manipulateur. La plupart des gens qui m'attaquent ne sont jamais venus me voir en personne. Ils ne m'ont jamais parlé. Ils ont juste repris les conclusions des gens qui m'avaient attaqué par le passé. Mais ils n'ont jamais pris la peine de mener l'enquête eux-mêmes. Preuve ultime pourtant des mensonges de Billy Meyer, le témoignage accablant de son ex-femme. La vérité, c'est que mon ex-mari a menti à propos de cette affaire d'OVNI. Quand j'ai vu la photo où l'OVNI ressemblait à une pièce montée de mariage, je me suis demandé, mais où ai-je vu cet objet avant? Eh bien, vous voyez, le socle de cette soucoupe, j'ai réalisé que c'était le couvercle d'une poubelle. En comparant ce couvercle à la photo du vaisseau spatial, il n'y avait aucun doute possible. C'était bien le couvercle de ma poubelle. Un couvercle de poubelle en guise d'OVNI, ça en deviendrait presque cocasse. Comme quoi, les plus grandes mystifications sont un jeu d'enfant. Alors en fait, il n'y a pas que les gourous qui sont capables de faire des fausses photos d'OVNI. Il peut même y avoir des enfants. On a eu un cas très précis d'un enfant de 10 ans, il y a une dizaine d'années, qui a envoyé au service spécialisé une série de diapositives prises par sa fenêtre.
Pour démontrer de quoi il s'agissait et comment, eh bien, on a été obligé de déployer des trésors d'imagination et de travaux scientifiques pour démontrer, en fin de compte, de façon absolument rigoureuse, que le gamin avait collé des petits faux ovnis sur sa fenêtre de 3 ou 4 cm de long, et donc démonter complètement cette histoire. Si à l'avenir, vous voyez un ovni survoler une agglomération, souvenez-vous, les apparences sont trompeuses. À l'heure où les images de synthèse envahissent les films de science-fiction, les trucages passent pratiquement inaperçus. Selon les experts, près de 90% des apparitions d'ovnis sont des erreurs d'interprétation ou des canulars. Alors un conseil, oubliez une fois pour toutes le fameux dicton « je ne crois que ce que je vois ». Et finalement, le canular qu'on vient de voir, c'est jamais que le vôtre quand vous étiez gamin. Ouais, c'est hein? Donc tous les mondes font ça. Ben oui. Enfin, tous les mondes. Ah, en tous les cas, celui-là était remarquable parce que l'histoire qu'avait racontée ce gamin tenait tout à fait la route. Mmh. Et en fait, c'est la gendarmerie, bien évidemment, qui nous avait informé de ces photos. Mais vous l'avez cru un moment, hein? Ah ben, nous, en fait, on ne laisse pas les gens en leur disant immédiatement « vous avez fait un canular » ou « c'est vrai ce que vous avez observé ». On les écoute et on fait des mesures, on reconstitue en fait leur histoire. Et là, j'avais pris sur des petits morceaux de papier noir. Au moment où il était avec sa maman, j'ai collé les morceaux de papier noir sur la fenêtre, j'ai pris une photo. Et ensuite, en arrivant donc au laboratoire avec notre expert, on a comparé les deux séries de photos, on s'est aperçu que c'était la même chose. Dommage parce que le scénario tenait bien, quoi. Ah oui, il était remarquable. Il y a une histoire qui a tenu le haut de la rampe pendant longtemps, Juan. Oui, c'était ces fameux cercles de blé en Grande-Bretagne. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, hein, la Chabat, ou tous autour de cette table. Alors, regardez, ces cercles de blé. La photo aérienne hein, qu'on voit là. Voilà, une photo aérienne. Pendant bien plus fait. De 10 ans, des scientifiques se sont penchés très sérieusement sur ce phénomène. Alors, il y a eu une quantité incroyable de livres, de thèses qui ont été publiés sur la question, ça fait sourire notre invité. Et en fait, c'était qu'un vaste canular. Au départ, on nous a dit qu'il s'agissait de pistes d'atterrissage pour soucoupes volantes. D'autres disaient que c'était un phénomène météorologique complètement inconnu. Eh bien, en fait, c'était un canular monté par deux retraités britanniques qui s'ennuyaient dans leur village et qui ont décidé un soir pour s'amuser de tracer ces grands cercles de blé en pleine campagne. Donc voilà, et donc c'est vrai que tout le monde a cru qu'il s'agissait d'une soucoupe volante qui était venue se poser à cet endroit. Pourquoi est-ce qu'ils ont des planches là sous les pieds ? Ils ont des planches parce qu'en fait, tous les scientifiques étaient extrêmement surpris par l'extrême précision de ces cercles et par le fait que le blé ne soit pas du tout aplati aux alentours de ces cercles. C'est-à-dire que les scientifiques étaient convaincus que des hommes n'avaient pas pu tracer ces cercles. Et en fait, nos deux amis, nos deux retraités britanniques ont utilisé des barres de bois, ils ont accroché des cordes et avec ces barres, ils aplatissaient tout simplement le blé pour tracer ces cercles. Combien y a-t-il de photos parmi toutes celles qui ont été prises, et Dieu sait qu'il y en a eu, qui tiennent vraiment encore la route aujourd'hui ? De tous les cas que vous connaissiez dans le monde. Hein. Très très peu, à mon avis, ça tient sur les doigts d'une main. Et je citerai simplement le cas de McMahonville, qui a été une photographie qui a été prise en 1952 aux États-Unis, et également le cas de Lubbock, les fameuses lumières de Lubbock, où là, à 15 jours d'intervalle, des gens de cette ville, donc il y avait énormément de gens, d'observer un phénomène de points lumineux en formation, et qui a été photographié par des témoins. Donc, il reste encore un doute, Alain. Ouais, non, mais c'est moi, c'est passionnant. C'est toujours merci très beaucoup, intéressant. Monsieur Velasco. Bravo, merci d'être venu nous voir. Alors, continuons avec les extraterrestres. Vous vous souvenez sans doute, bien sûr, de l'épisode Roswell, une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est le moins qu'on puisse dire, il y a 4 ans. Pour la première fois, certains ont cru à ce moment-là à la preuve formelle de l'existence des extraterrestres. Mais l'affaire a tourné court quand on s'est aperçu que ces soi-disant preuves relevaient en fait d'un bidonnage grossier. Regardez vous-même. Souvenez-vous, c'était en 1995. L'autopsie d'un extraterrestre fait le tour de la planète. Une trentaine de chaînes diffusent ce film. Ce document est censé avoir été tourné aux États-Unis en 1947 sur une base américaine à Roswell. Est-ce enfin la preuve de l'existence des E.T. que tout le monde attendait ? Est-ce un coup monté ? L'histoire défraie la chronique, la presse s'interroge. Nicolas Maillard est l'un des premiers journalistes à avoir enquêté sur cette affaire pour le moins trouble. Je crois qu'aujourd'hui, quand on parle de Roswell, en tout cas en France, c'est la marionnette des guignols. L'extraterrestre de Roswell, et c'est l'autopsie. On ne pense pas du tout à l'affaire qu'il y a derrière. On ne pense pas du tout au fait qu'un jour, c'est l'US Air Force qui a annoncé avoir récupéré une soucoupe volante. Pour mieux comprendre
comprendre cette affaire, il faut remonter 50 ans plus tôt. Le 8 juillet 47, la base aérienne de Roswell annonce qu'une soucoupe volante s'est écrasée dans un champ. J'ai été appelé au quartier général. On m'a donné des copies de communiqués de presse qui affirmaient qu'on avait récupéré une soucoupe volante. L'officier de presse doit alors affronter le vent de folie qui s'empare des médias. Cette révélation fait les gros titres des journaux. Il ne s'agit plus de quelques témoins qui disent avoir vu un ovni, mais d'une preuve matérielle. Le soir même, pourtant, le démenti tombe comme un couperet. La soucoupe volante n'était en fait qu'un ballon météo. Pièce à conviction, cette photo diffusée par l'armée. D'où vient cette méprise? Comment des militaires ont-ils pu confondre une soucoupe volante et un ballon météo? Des questions qui resteront en suspens. L'affaire est enterrée pendant 30 ans, jusqu'au jour où Jesse Marcel, l'officier qui a récupéré les débris, lâche le morceau. Jesse Marcel, son premier témoignage, c'est de dire « Écoutez, moi j'ai un problème, il y a 30 ans, ce ne sont pas des débris d'un ballon de sonde que j'avais entre les mains. On m'a fait dire ça, on m'a fait prendre en photo avec ces débris-là, mais ces débris-là, ce ne sont pas les débris que j'ai eu entre les mains quand je suis allé sur le champ de débris. » À partir de ce jour-là, les rumeurs les plus folles vont circuler. Que s'est-il réellement passé sur la base de Roswell en 47? L'US Air Force finit par sortir de sa réserve en 94 et reconnaît avoir menti. Ce n'était pas une soucoupe volante, ce n'était pas un ballon météo, c'était un ballon top secret à l'époque, le ballon Mogul, destiné à espionner les Russes. Trois versions contradictoires en l'espace de 50 ans qui jettent définitivement le doute dans les esprits. La moitié des Américains sont persuadés que le gouvernement leur cache la vérité. Une enquête indépendante est alors lancée pour faire toute la lumière sur cette affaire. C'est dans ce climat trouble que la fameuse autopsie fait son apparition. Je crois que le fait que ce film ait si bien marché, qu'il y ait eu un tel engouement, le fait qu'il soit, enfin, son caractère exceptionnel, c'était le fait qu'il tombait très très bien. Ce film a beau tomber à pic, les experts sont circonspects. S'agit-il d'un document authentique ou d'une mise en scène? Aucun détail n'a été laissé au hasard. Les chirurgiens ont même revêtu des combinaisons anti-radiation. L'élément principal qui tend à remettre en cause l'authenticité du film, c'est la façon dont c'est filmé. Effectivement, au lieu d'être fixe, la caméra se déplace dans la pièce. Une manière de filmer qui n'était pas celle de l'époque et surtout pas celle de l'US Air Force. Il n'y avait aucune caméra qui filmait du dessus, donc de façon stable et fixe, comme c'est censé se faire selon les protocoles de l'armée américaine. Donc c'était quand même un petit peu bizarre pour une autopsie. Mais l'autopsie en elle-même, oui, là tous les gestes étaient authentiques, les instruments étaient authentiques, ils étaient d'époque, le moindre détail était bien travaillé, quoi. Mais d'où viennent ces images? Voici l'homme qui les a vendues au monde entier. Ray Santilli est le patron d'une maison de disques britannique. Un personnage énigmatique qui distillera les informations au compte-gouttes. Pour ne pas passer à côté d'un scoop, les chaînes de télévision diffusent ce film dans l'urgence sans avoir obtenu de preuves sur l'origine de ce document. Ray Santilli, de toute façon, a mené tout le monde en bateau, tous les journalistes en bateau, c'est clair. Il a menti, c'est clair. Quelque part, il avait une petite composante mystérieuse, exactement ce qu'il fallait justement pour que ça fonctionne. Il a très bien géré son affaire comme un homme d'affaires. Ray Santilli a-t-il fabriqué ce film lui-même? C'est en tout cas ce que semble démontrer un autre film d'autopsie. Ce document, le voici. Ce film sera en fait une pré-maquette, une ébauche d'autopsie d'extraterrestre tournée un an plus tôt à la demande de Ray Santilli. Il est de très mauvaise qualité, mais grâce à un éclaircissement de l'image, l'un de ses chirurgiens a pu être identifié. Il n'est pas docteur, il n'a jamais mis les pieds à Roswell, c'est un figurant anglais. On a été contacté par Ray Santilli pour mettre en scène cette soi-disant autopsie. Alors j'ai fabriqué en 24 heures le corps de l'extraterrestre. J'ai commencé par acheter une tête en polystyrène. J'ai ensuite sculpté les reliefs du visage et j'ai recouvert la tête d'une fine couche de latex pour que cela ressemble à de la peau. Une mise en scène avec des figurants carrément amateurs. Le deuxième chirurgien serait en fait un boucher. Quant à la silhouette au premier plan, censée incarner un président impatient, il s'agirait tout simplement du patron de bar du quartier. En 1994, on avait terminé ce premier film. Il était prêt. Et là, Ray Santilli nous a demandé d'en refaire un, plus élaboré, dans une pièce qui fasse vraiment laboratoire. On s'est renseigné pour savoir comment on pouvait fabriquer un corps plus réaliste, mais on s'est rendu compte qu'on n'y arriverait jamais à temps. Du coup, il s'est adressé ailleurs.
Ray Santilli a-t-il confié cette mission à un de ses amis producteurs allemands du nom de Vox Spielberg? Personne n'a pu apporter de preuves irréfutables. Ne reste donc qu'une forte présomption. Ray Santilli a toujours démenti être le commanditaire de cette autopsie. Aujourd'hui, la supercherie ne fait plus de doute pour les spécialistes. Seule certitude, cette autopsie bidon a décrédibilisé toute l'affaire Roswell. Je crois que le film a jeté le discrédit sur l'affaire de Roswell, complètement. C'est-à-dire qu'il y a eu un amalgame entre l'histoire de l'autopsie de l'extraterrestre et l'affaire de Roswell. Et donc, évidemment, le grand public, quand il se retrouve avec l'affaire de Roswell entre les mains, mais c'est une autopsie d'extraterrestre, il conserve ça dans l'esprit. Et le jour où il apprend que cette autopsie est fausse, toute l'affaire s'écroule. Cette affaire est en tout cas devenue un jackpot pour le folklore américain. Roswell est désormais la mecque des amateurs d'ufologie. Le mythe a survécu. Cette fois, c'est sûr, les extraterrestres sont parmi nous, en chair et en os. Eh oui, Alain. On aurait voulu y croire. Hein. Enfin, déjà à l'époque, on avait un petit doute. Hein. Non, en fait, moi j'y crois. Oui. En fait, tout ça est fait pour qu'on n'y croit plus. Alors qu'en fait, le truc est vrai. D'accord. C'est un immense complot. Ah, parce que vous savez qu'ils sont parmi nous. Voilà, mais je crois un soir au fond d'une impasse. Je suis pour les Men in Black. C'est ça, vous les avez vus un soir, David Vincent. Ils sont parmi nous et le cauchemar a déjà commencé. Je voudrais, pour terminer l'émission, comme vous le faites souvent d'ailleurs, Marc, que vous nous fassiez part de quelques-unes de ces croyances. Oui. Par exemple, cette jolie pente que vous avez. Oui, puisqu'on est dans les objets volants, parlons des sorcières qui volaient sur leur balai. Oui. Et c'était en partie grâce à cette herbe vraiment magique par excellence, la mandragore. La mandragore auquel quand on la met debout, elle a quand même. Elle a une allure humaine et on lui prêtait vraiment des pouvoirs extraordinaires. Quand on l'arrachait, elle poussait un cri qui tue, donc il fallait prendre beaucoup de précautions, égorger un hibou, faire... Ah oui, bon, tiens. Voilà. Je touche plus. Et alors elle était censée naître du sperme des pendus, donc on l'accueillait autour des gibets. C'est vrai. Bien sûr. Ah ben ça, on y croyait ferme. Mais ce qui est absolument vrai, c'est qu'elle a des pouvoirs hallucinogènes. Ouais. Et les sorcières en faisaient des onguents qu'elle se passait sur le corps et de préférence dans les parties les plus intimes, c'est-à-dire qu'elle mettait ça sur des manches à balai, qu'elle se mettait entre les jambes, là où la muqueuse... Et elle volait. Et elle planait sec, ça on peut le dire, et elles avaient vraiment l'impression de voler, et c'est comme ça qu'elles allaient au sabbat, et ça c'est tout à fait vrai. Intéressant, vous êtes très intéressant comme garçon, vous savez. Pour rester dans le domaine de la sorcellerie et des produits hallucinogènes, pourquoi est-ce qu'il est interdit, dans certains pays d'Amérique, de lécher les crapauds? Des boutons. Parce que ça pourrait être un prince charmant. Il y a des gens qui aiment ça. Pourquoi? Il y a peut-être des crapauds qui sécrètent quelque chose pour éloigner les autres animaux. Non, ça contient aussi des hallucinogènes puissants, la bufoténine. Ah et voilà, on lèche un crapaud et on plane. C'est pour ça que ça fait partie des ingrédients des sorcières aussi. Il y a beaucoup d'hallucinogènes là-dedans. Il y a des crapauds, il y a des champignons. C'est ça. C'est bien. Allez, pour terminer, je vous rappelle donc que la cassette des Brickle Girls est sortie il y a 5 jours pour que tous les hommes se mettre au bricolage, voilà, et vous allez voir, c'est efficace. C'est pour s'instruire en s'amusant. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Je vous demande d'applaudir Alain Chabat, qui était un invité charmant et très cultivé. Regarde ça. Je vais essayer. C'est pas à moi. Voilà, bonne rencontre avec le crapaud. Merci à tous les quatre. Soir. Vous avez été formidables comme d'habitude. Merci au public qui était avec nous jusqu'à maintenant. Merci beaucoup. À très bientôt. Et rendez-vous en l'an 2000. Au revoir à tous. Bonsoir. We'll be right back.